Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Nuria TV. Je suis Nora et je suis très 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 heureuse de vous retrouver en direct, en libre accès. Voilà, comme toutes les conférences sur Nuria TV. Donc n'hésitez pas à nous y retrouver, installez-vous confortablement. Je vais vous faire un petit partage d'écran pour les nouveaux parce que je sais que vous êtes encore nombreux à nous retrouver sur Nuria TV. Donc les premiers qui font leur premier direct, eh ben, félicitations à vous, le pas est sauté, c'est bon, vous êtes en direct avec nous, vous allez pouvoir ressentir les bonnes vibes qui se partagent comme ça pendant les directs. Et pour les autres, eh ben, je sais que vous connaissez, mais le temps que vous vous installiez aussi, préparez le café, préparez les pizzas. J'ai vu un petit commentaire de quelqu'un qui disait justement, on prépare les petites pizzas, c'est Cyril. Bonsoir tout le monde, préparez votre pizza, installez-vous dans votre canapé. Ce soir, encore et toujours, des mystères. La lumière sur les mystères, ce soir, encore une fois. Donc, hop, je vous fais un petit partage d'écran sur le site nurea.tv. Alors, pour les commentaires pendant les directs, donc là, vous voyez, il y a la conférence de jeudi là, qui est affichée sur les Crop Circles, des expériences extraordinaires avec Umberto Molinaro. Donc, quand on clique sur la conférence, on voit dans cette partie-là, oh tiens Maxime, coucou, la partie pour poser les questions et les commentaires pendant les conférences. Donc, pour ce soir, c'est pareil, je ne clique pas dessus sur l'émission de ce soir pour éviter d'avoir un doublon au niveau du son. Mais ça se passe de la même façon. Donc, vous pouvez tous nous retrouver ici avec vous connecter sur votre compte Facebook parce qu'on utilise la même application. Et vous allez donc pouvoir poster votre commentaire directement, voilà, pendant le direct sous la vidéo qui sera diffusée. Voilà. Ensuite, petite information pour demain. Demain, comme vous le savez, nous avons décalé le mois dernier le cours avec Cyril Yel. Et entre-temps, ben, ce matin, je me suis amusée à changer l'affiche. Donc, je vous la remontre parce que du coup, ce n'est pas la même qu'avant, mais c'est le même cours. C'est le cours par vidéo numéro 3 sur savoir décrypter l'information. Mais j'avais oublié de préciser et donc de montrer sur l'affiche que c'était une spéciale film. Voilà, savoir décrypter l'information via les films. Donc, c'est un cours par vidéo. Et pour ceux qui connaissent, donc c'est ici. Vous cliquez sur obtenir cette vidéo, ici ou en bas. Et voilà, c'est à prix libre. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre et pour vous inscrire pour demain, pour participer au direct, poser vos questions et vos commentaires pendant le direct. Sinon, comme pour tous les cours par vidéo, bien évidemment, les cours sont toujours disponibles après qu'ils aient été enregistrés. Les vidéos sont toujours accessibles, elles sont toujours là, par exemple, comme le cours qu'on a fait hier avec Howard Crowhurst. Alors, sincèrement, je ne savais pas quel serait le contenu du cours d'hier sur comment découvrir les mystères du monde via Google Earth. Je vous le dis juste comme ça au passage, Howard nous a étonnés. Donc voilà, on a été tous ravis, autant pour ceux qui connaissent Google Earth, qui savent déjà utiliser Google Earth, que pour les novices. Il y en avait pour tout le monde. Et même ceux qui connaissent Google Earth ont pu apprendre des choses super intéressantes grâce à Howard. Donc je remercie énormément une nouvelle fois aujourd'hui. Très belle surprise que ce cours par vidéo et hâte de faire les autres. Voilà pour le partage donc des informations et pour vous montrer comment fonctionne le site internet donc nurea.tv. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour et regarder toutes les informations qu'il y a dedans, notamment la toute nouvelle chronique de Guillaume. Voilà, bah c'est une fois que j'ai enlevé le partage d'écran, bien sûr, que je vous parle de la chronique de Guillaume. Donc, je vais refaire un petit partage d'écran, voilà, le temps que tout le monde s'installe tranquillou. J'espère que vous n'êtes pas pressés, je vous avais prévenu, hein, ce soir, on prend notre temps. Donc, voilà, la dernière chronique de Guillaume qui est sur le livre, donc, La magie du ruisseau de Dominique Kubler. Donc vraiment, pour ceux qui s'intéressent aux êtres de la nature, aux élémentaux, c'est un livre à lire. Mais vraiment, sincèrement, il est rempli de photos. Hop, je vous fais un petit zoom là sur cette photo, sur ces deux photos d'ailleurs. Voilà, on aperçoit des petites choses. Donc oui, des pareidolites, très bien. Mais en même temps, ce livre en est rempli. Et en même temps, il y a une histoire quand même assez sympa via le Yiking. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et donc, vous pouvez lire la petite chronique de Guillaume, petite longue chronique de Guillaume qu'il a rédigée sur cet ouvrage. Voilà pour les petites informations du jour. Hop, 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 hop. Donc voilà. Et merci à tous donc d'avoir patienté pour ceux qui y connaissent. Et pour les nouveaux, j'espère que vous avez eu les informations qui vous manquaient ce soir. Et sinon, eh bien, ce soir, je suis très heureuse d'accueillir une nouvelle fois Franck Morin pour le troisième ou quatrième volet sur les ovnis, sur l'historique des ovnis. La dernière fois, on ne devait faire qu'une seule émission. On a débordé tellement qu'on a calé cette émission supplémentaire pour vraiment être à l'aise sur cette dernière partie des grandes vagues qui est vraiment tout aussi importante que ce qu'on a pu déjà voir. Donc, ce sera les ovnis de 1965 à 2000, les grandes vagues. Bonsoir Franck, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. C'est vraiment sympathique de se retrouver
pour une soirée qui s'annonce riche en événements. Parce qu'effectivement, la dernière fois, on avait l'ambition d'aborder une cinquantaine d'années d'événements ufologiques. C'était peut-être un peu trop long parce que la période de 45 à 50, de 47 à 54 est déjà très dense, mais c'est bien qu'on ait pu l'aborder dans le détail. Et c'est pas plus mal qu'on fasse une nouvelle émission parce qu'entre-temps, bah, j'ai développé certains cas, j'ai rajouté des cas inédits que moi-même je ne connaissais pas. Voilà, il y a une raison à tout. Donc là, on a encore un petit bonus ce soir. Je vais prendre quelques commentaires. On a William qui nous dit bonsoir à tous. Franck Luc qui nous dit avec Google Earth, c'est la fonction timelapse. On peut voir l'évolution de certains sites, dont en particulier celle de la fameuse zone 51. Merci beaucoup, Franck Luc. Donc, tous ceux qui ont participé au cours, là, vous savez exactement où il faut aller pour regarder le timing et tout ça et remonter un petit peu en avant et faire des petites captures d'écran, là, petit à petit, sur l'évolution. Julien qui nous dit, salut, nous attendons tous une conférence sur Tesla, les ovnis et l'antigravité, et ce soir, Nocturne. Alors, la Nocturne, ce ne sera pas ce soir, mais elle est prévue. Donc, ce sera pour le mois d'avril. 11 heures de direct d'affilée, préparez-vous, et ça sera sur le thème du paranormal. Donc voilà, attention, non seulement préparez-vous, mais n'oubliez pas le doudou. Hein. Ça va être une sacrée belle soirée et nuit. Et là, ce soir, oui, pour Tesla, tout ça, je prends note. Hein. En même temps que j'ai lu, ne t'inquiète pas, Julien, je garde ça dans un coin de ma tête. Ben qui nous dit « Hello tout le monde, bonne conférence, ah, qu'est-ce qu'on est bien sur Nuria TV ?» Qu'est-ce qu'on est bien sur Nuria... Pardon. Et oui, donc, nous sommes mardi. Alors, si je perds la tête déjà dès mardi, vendredi, ça va aller fort. Pascal qui nous dit bonsoir les Nuréens, belle soirée en perspective. Michel, effectivement, Nora, si tu veux pas de doublons à cause du son et si tu as 6 sauts de son, ça fait des saucissons. Je ne suis pas la seule à être déjà vendredi, ce mardi. Gros bisous, Michel. Alors ensuite Maxime, donc coucou tout le monde, je suis arrivée ventre à terre. Oui, discrètement parce qu'il y a un petit peu de retard là, Maxime. Par contre, tu es en avance pour l'émission de jeudi. On a vu ton commentaire tout à l'heure. Wolfgang qui est là aussi, bonsoir à tous. Donc voilà, merci beaucoup, beaucoup pour tous vos commentaires. J'ai vu un petit coucou là pour les félins. Les félins, alors oui, c'est l'hiver. Alors bah, ils squattent le canapé. Donc on les voit beaucoup moins à l'écran parce qu'ils sont simplement en train de se réchauffer sur le canapé. Voilà, on les verra au printemps, je pense, quand ils auront terminé d'hiberner. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On va se lancer là tout de suite, tranquillement, sur bah, la première affiche, premier partage d'écran. Est-ce que t'es chaud, Franck? Je suis prêt. C'est parti. Je vais te laisser juste descendre un petit peu ton écran d'ordinateur, comme tu avais dit. Préviens-moi si jamais l'écran remonte. Il est remonté un petit peu. Voilà, je te laisse s'en occuper. Pendant ce temps, je fais un petit partage d'écran. Je prépare le dossier. Et voilà, le petit partage d'écran est prêt. Voilà pour la période qu'on va aborder ce soir et je propose bah, directement de passer à la slide suivante pour commencer dès l'année 1965. Qui fut considéré. Ah, entre-temps, j'ai oublié l'introduction sur la recherche ufologique en France. Bon, Allez, là, je t'en prie, vas-y. comme souvent, l'énigme OVNI m'apparaît très peu connue du grand public parce que souvent des gens me demandent qu'est-ce qu'un ufologue. Donc, un ufologue, on avait un peu parlé la dernière fois, c'est quelqu'un qui étudie les phénomènes aérospatiaux inexpliqués. Ce n'est pas une profession, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'académie. C'est des gens qui prennent leur propre initiative ou qui se réunissent en association ou en comité privé et souvent à but non lucratif et qui ne touchent pas de subventions. Parmi les organismes connus en France, donc on a le GEPAN, rattaché au Centre national d'études spatiales, qui collecte, archive et classe les phénomènes aérospatiaux non identifiés, donc qu'on pourrait appeler aussi OVNI, mais ils les appellent comme ça, puisqu'ils considèrent que dans certains cas, on n'a pas la preuve de la matérialisation d'un objet. Donc, ils les classent en 4 catégories, A, B, C ou D, sachant que les D sont les cas classés en non identifié et ceux où il y a le plus d'éléments probants. Le pourcentage de panne D depuis la création du GEPAN a oscillé sur on va dire une large fourchette de 10 à 25%. Et après, bon, bah, il y a des débats sur ces classements, sur les chiffres. Souvent, si on cite les pannes C, parce que c'est des cas qui, faute de données, ne sont pas classés, mais si ils venaient être identifiés, au contraire, invalidés, bah, dans ce cas-là, ça gonflerait les catégories A, B ou D.
Voilà un peu pour l'approche du GEPAN. Il fournit une base utile d'archives qui est consultable sur son site internet, legepan.fr, et on trouve aussi quelques dossiers internationaux et des PV de gendarmerie depuis les années 1940 à peu près. La commission 3F Sigma est rattachée à l'association 3AF, Association aéronautique et astronautique de France, et cette commission étudie les pannes et elle est composée d'ingénieurs, de scientifiques et de pilotes. Elle a produit un rapport de synthèse dans l'année 2010 et elle étudie, une de ses spécialités, c'est d'étudier les archives militaires et notamment les archives militaires américaines qui, comme on l'avait expliqué la dernière fois, présentent un certain intérêt. Parce qu'on y trouve des généraux de haut niveau, comme par exemple le général Nathan Twining aux USA ou le général Shulgin, qui dès 1947, par exemple dans le document Opinion Concerning Flying Disc, reconnaissait, contrairement à ce qu'ils en disaient publiquement, que le phénomène OVNI était une réalité et elle était non fictive ou résultant de vision. Et après, ils donnent des caractéristiques techniques de ces objets en termes de vitesse, de taille, de performance. Donc, ce que fait la commission 3F Sigma, c'est qu'elle apporte des bonnes traductions de ces documents, mais en plus, elle a des commentaires de pilotes, ce qui est très intéressant techniquement. En 1999, le rapport Cometa, qui a été produit par des généraux français et quelques experts et des scientifiques, je ne vais pas en parler tout de suite, puisqu'on le développera un peu plus tard. Les sources ufologiques se basent sur des PV de gendarmerie, procès-verbaux donc, et je ferai allusion tout au cours de l'historique à des faits donc, qui ont été enregistrés par des gendarmes, mais aussi qui ont été observés à la fois des gendarmes, mais aussi des policiers, des militaires. Les enquêtes de l'armée de l'air, puisque les historiens spécialisés dans le renseignement et l'étude de l'armée disent que dès les années 1950, en France et dans d'autres pays, se sont constitués des bureaux spécialisés sur l'étude des ovnis. En général, les armées de l'air sont les premières informées parce que c'est elles qui contrôlent les radars dits primaires, donc des radars militaires qui enregistrent tout, contrairement aux radars secondaires, les radars dont sont équipés les aéroports civils, qui eux sont bridés pour ne pas gêner le travail des contrôleurs aériens. Et de part que un ovni est pris en chasse, souvent c'est fait par des militaires qui ont les avions les plus rapides, bien évidemment. En France, on a eu quelques témoignages de pilotes qui ont été marquants, comme j'ai cité quelques noms parce qu'ils ont été médiatisés. Jacques Krien, qui dans les années 70, en compagnie d'un autre pilote, a croisé à plusieurs reprises un ovni aux performances remarquables. Le commandant Jean-Charles Duboc, qui, lors d'un vol civil, avec d'autres témoins, a observé un objet d'une taille inexplicable. Et on pourrait citer Jean-Gabriel Grélé, qui est un écrivain, un ufologue, mais aussi un pilote militaire. Parmi les médias, il se trouve qu'en France, plusieurs médias ont publié, publient ponctuellement ou publient régulièrement des dossiers sur les ovnis. En général, c'est des médias spécialisés. Donc, j'ai fait une liste non exhaustive ici et on a des revues, des magazines, des radios. J'ai bien mis Nuria TV, tu vois, dans le noir. C'est où ? Là, tu es dessus. On ne pouvait pas l'oublier. Cool. Il manque Meta TV par contre. Ah oui, bah oui. Alors c'est vrai que quand j'ai fait, je vais vous expliquer, quand j'ai fait ce document, il fallait que ça tienne en une page. Ah donc, d'accord. Et ben voilà, on l'aura dit alors. Oui. Il y en a bien d'autres que je connais. Si un jour on fait un sujet là-dessus, on les reprendra une par une et puis on essaiera de regarder les gros dossiers sur lesquels ont travaillé. Mais okay. Le point commun de tous ces médias, parce qu'ils peuvent avoir des lignes éditoriales qui sont distinctes et parfois même opposées, mais elles ont un mérite, c'est qu'ils abordent le sujet OVNI. Et c'est un mérite parce que c'est un sujet dont les médias traditionnels, sur lesquels les médias traditionnels sont assez timides, ils ne veulent pas trop en parler, ou alors c'est superficiel. Et bien, au moins, ces médias, ils mettent les pieds dans le plat, d'autant plus que c'est une entreprise difficile. Parce que le sujet des ovnis, il y a beaucoup de pièges dedans, il y a notamment des canulars assez élaborés. Et à contrario, on va en parler de quelques-uns, il y a aussi des dossiers de désinformation. Donc, arriver à faire le tri entre tout ça, ce n'est pas facile, mais donc c'est bien que des animateurs s'y mettent.
comme autre source sont les archives de presse régionales ou nationales. Exemple, pendant la vague de 1954, tous les jours dans les journaux nationaux ou régionaux, on parlait de cas d'OVNI observés dans tous les coins de la France. Et après, un autre axe, c'est toutes les associations et groupes de recherche privés. Alors là, il y en a encore tellement qu'il me faudrait plusieurs pages pour tout y citer. Donc, j'ai mis juste quelques lignes et on en parlera un autre jour si il y a besoin de développer. UFOScience, qui fait des expériences sur la NHD, sur des bonnettes, une initiative intéressante qui consiste à placer un petit objet devant l'appareil photo qui va permettre d'analyser le spectre des objets lumineux photographiés, et puis des réseaux, c'est les réseaux de diffraction, et le projet UFOCatch qui est très intéressant, qui a pour ambition d'installer des caméras équipées de ces engins pour mesurer les spectres. Dans la surveillance du ciel, on a aussi l'association Surecat. Dans un autre domaine, on a la Repère ufologique, qui est une association assez bien représentée au niveau national, puisqu'elle a des antennes dans toutes les grandes villes. Et le but est d'organiser des conférences et des débats libres sur le sujet des ovnis. Comme elle recueille. Je fais juste un petit focus sur l'association Surecat. Je vous invite à aller regarder ce que fait l'association Surecat parce qu'il y a un truc qu'ils font plusieurs fois par an et je trouve cette idée vraiment géniale. Et en fait, ils demandent à tout le monde de regarder le ciel le même soir. Donc, on sait qu'on est tous en train de regarder le ciel. On vérifie tous les informations, enfin, le ciel. Et dès qu'on a des informations, on envoie ce qu'on a vu. Donc satellite ou autre, ou si on ne sait pas, bah voilà, on dit voilà, j'ai vu une lumière passer de d'est en ouest ou d'ouest en est ou nord au sud et tout ça, on leur envoie les infos et eux, ce soir-là, ils regroupent toutes les informations et ils dispatchent toutes les infos aux autres. Donc ça permet à d'autres qui se situent peut-être pas loin de la zone où quelqu'un a déjà vu quelque chose de regarder encore mieux, plus intensément à ce moment-là. Et ça arrive certaines fois qu'il y ait justement une lumière un peu bizarre, on ne sait pas ce que c'est, mais qui finalement fait un petit chemin et on arrive, grâce à tous ceux qui regardent le ciel pendant ces soirées, à cibler la route de cet objet-là. Bien sûr, après, les informations, ça ne reste pas juste comme ça, ils vont les vérifier, ils sont en contact avec pas mal de personnes, notamment les aéroports forcément pour savoir s'il y avait des avions ou autres, des vols ou les satellites sont au courant de tout. Mais je trouve que cette idée est vraiment géniale, ça ne coûte rien, juste on garde le téléphone à côté de la main et puis on regarde le ciel et on sait que plein de personnes, à travers le monde d'ailleurs, font ça le même soir. Donc voilà, regardez bien le site Surecat, n'hésitez pas à y faire un tour. Voilà, pardon, je t'en prie. Non, mais c'est intéressant de préciser la démarche. Mais... Allez, je remets le partage. Donc on était sur les associations de terrain et dans chaque région, des groupes ufologiques font des recueils de témoignages. Des enquêtes de terrain, des recherches de documentation et de veillées. Par exemple, quand un témoin a observé un OVNI, il peut très bien s'orienter vers ces groupes ufologiques régionaux qui vont pouvoir recueillir son témoignage, s'il le souhaite, mener une enquête et voire même diffuser les données. Et une fois, il y a des témoins, par exemple, qui sont en voie, qui m'ont demandé si je pouvais présenter ça à des réseaux ufologiques pour qu'on en discute et qu'on essaie de voir à quoi correspondait la vidéo qu'ils avaient prise. Très intrigante, d'ailleurs. On notera le travail remarquable de ces associations ufologiques de terrain qui font le travail que ne font pas certains médias à certaines occasions, et notamment dans les événements ufologiques majeurs. Et je donnerai quelques exemples historiques. Concernant le travail ufologique, il y a des associations comme le SO qui collectent les archives. Il y en a qui sont spécialisées sur la collecte des vidéos, des photos, puisque la base mondiale de photos est estimée à 4 à 5 000 fichiers. Donc, il y a du travail. En France, la plus grosse base que j'ai vue, elle en contient 4600. Et sinon, il y a tous les sites Internet qui sont spécialisés, les forums de discussion. Et là encore, il me faudrait une bonne page pour toutes les citer. Et ce qui nous amène aux spécialisations techniques de l'ufologie. Là, j'en ai mis en bas à gauche une liste. Et l'étude ufologique, ça peut commencer de l'étude de textes anciens qui relatent des phénomènes aériens expliqués au Moyen-Âge, sous l'Antiquité, voire même plus loin, jusqu'à l'analyse de cas de poursuites d'ovnis par des avions de chasse, en passant par l'étude de traces au sol, d'irradiation de végétaux, d'effets sur les animaux. Il en résulte qu'en fin de compte,
On dit souvent que l'ufologie n'est pas considérée comme une science, mais elle est au carrefour de toutes les autres. Parce que tous ces tous les domaines qui sont enseignés à l'université peuvent intervenir tôt ou tard dans des études ufologiques. Et parfois, il faut prendre un peu de recul par rapport à certaines analyses de scientifiques, parce qu'on s'aperçoit que certains spécialistes ne sont pas d'accord. Exemple, une photo récemment, bon, il y a des photographies d'OVNI qui tournent et des scientifiques spécialisés en photo se mettent d'accord. Il y en a qui disent que l'OVNI observé est inférieur à un mètre, d'autres qui représentent plusieurs mètres, voire qu'il est de l'ordre d'une quinzaine de mètres. Donc, il y a aussi des expertises scientifiques qui peuvent être orientées, qui peuvent être faussées, qui peuvent être frauduleuses. Donc, à partir de ça, il peut être utile dans un cas où les données prêtent à l'interprétation de se reposer sur plusieurs études et de revoir leurs points communs et de les refaire si nécessaire. Ce qui a donné en général quatre hypothèses majeures pour expliquer le phénomène OVNI, les hypothèses sceptiques qui se découpent elles-mêmes en différents camps de pensée, l'hypothèse militaire, l'hypothèse extraterrestre, et plus récemment, surtout depuis 2010, les hypothèses métaphysiques qui considèrent qu'on a affaire à une ou plusieurs intelligences, mais qu'elles ne sont pas extraterrestres comme au sens où on pourrait l'imaginer. Voilà un peu pour les grandes lignes. Et concernant mes travaux, je me suis intéressé au phénomène OVNI depuis l'adolescence. Bon, à l'époque, je n'avais pas de notion aéronautique, mais je m'étonnais dans les livres que je trouvais dans les bibliothèques, de voir des objets circulaires et qui défiaient les pilotes de chasse en termes de performance. Puis après, bon, j'ai un peu laissé tomber. Puis c'est il y a une quinzaine d'années, en revoyant des grands cas comme Phoenix, que je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ces histoires d'OVNI. Et j'ai commencé, dans le but d'en savoir un peu plus, de recueillir des données, de lire beaucoup, et j'ai synthétisé mes recherches dans ce livre, Les mystères du phénomène OVNI. Ouais, je le montre, c'est celui-là, donc celui qui a le petit bandeau rouge, la nouvelle édition. Voilà, donc Le mystère du phénomène OVNI. Et c'est vrai que tout ce qu'on a vu là sur quatre conférences avec toi, quasiment tout est là, synthétisé. En plus, il y a des photos, des représentations, enfin tout est expliqué, tout est détaillé. Voilà, pour ceux qui aiment bien se poser tranquillement avec un ouvrage ou pouvoir faire des recherches aussi, c'est quand même super sympa d'avoir un ouvrage sous la main. Franck Morin, Les mystères du phénomène OVNI, de la préhistoire à nos jours. N'hésitez pas, c'est aux éditions La Vallée Heureuse. Petit bisou à Stéphanie au passage. Et voilà. Merci pour cet ouvrage, hein. Merci pour ton boulot d'ailleurs. Oui, mais c'est sympa qu'il ait été réédité, que j'ai pu le mettre à jour avec des nouveaux cas, les nouvelles technologies militaires. Et des nouvelles approches plus récentes. J'ai une précision technique à donner dessus pour ceux qui le voudraient. En librairie, s'ils veulent vraiment la dernière version, il faut prendre celle où il y a le bandeau rouge, là, celle que tu as, alors le gène code qui est indiqué sur la feuille. Oui, voilà, je vais montrer les deux. Voilà, donc, hop, l'ancienne version, voilà, c'était celle-là, nouvelle version. Comme ça, quand vous êtes en face des deux, c'est celle-là qu'il faut. Avec le petit bandeau rouge. Celui-là, ça passe. J'enchaîne, je refais le partage d'écran donc sur la suite. Et merci voilà. Bon, merci. On peut passer à l'année 1965. Allez, c'est parti. Merci pour cette introduction. C'était bien de resituer les choses. Hop, voilà. Il y a déjà quelques questions, hein, Franck. Tu me dis quand tu es prêt. Bah, oui, on peut... Tu veux quelques questions là au démarrage ? Allez, je réenlève le partage d'écran et j'arrive. Oui. Hop. Alors, quelques petites questions. Je mets un petit peu à jour la page et je descends donc sur les questions. Cyril, Nora, tu me fais rire. Oui, je patauge là ce soir un peu. Alors, Laurent, oui, et il y a Nadine qui disait sur le grand changement, la chaîne LGC5 aussi. Un gros bisou à Jean-Michel Raoux au passage. Donc, information qui manquait donc sur la liste des chaînes qui parlent de ces phénomènes-là. Voilà, Jean-Michel Raoux est aussi très, très, très doué. Alors ensuite, Florent qui nous dit « Bonsoir à tout le monde, c'est mon premier direct avec vous et je suis très heureux de pouvoir assister à cette conférence. » Merci Florent. Il nous dit une petite question à Monsieur Morin. Pourquoi les vidéos que l'on trouve sur Internet et en ce qui concerne l'observation d'OVNI sont toujours en mauvaise qualité ? Pourtant, aujourd'hui, nous avons des caméras en haute définition.
Ça dépend lesquels. Ce soir, je vais vous montrer des extraits de vidéos, notamment celles de la NASA ou celles qu'on avait vues la dernière fois, surtout pour les années supérieures à 2000. C'était des caméras militaires. Mais il est vrai. Alors, il faut savoir que pour les observations d'OVNI, elles sont majoritairement nocturnes. Et ça, c'est le résultat de plusieurs études dans le monde. Donc, si vous prenez une photo de jour, prenons un exemple, vous prenez une photo d'avion le jour et vous prenez le même la nuit. Tout de suite, vous allez voir une différence de qualité sur la photo ou la vidéo. De nuit, on peut quasiment rien voir. Donc, à partir du moment où c'est de nuit, c'est normal que ce soit de mauvaise qualité, quoi. Et d'autre part, les apparitions diurnes, c'est surtout pendant la vague de 47 où personne n'avait de portable. Et accessoirement, on peut douter des photos de mauvaise qualité parce que, il faut bien le dire, les trois quarts qui circulent sur le net, voire certainement plus, sont des fakes, des canulars. Ok. Il y a aussi dans le livre « Message » de Stan Romanek. « Message » de Stan Romanek. Vous pouvez donc… plein d'histoires là-dedans, hein. Vraiment, je le conseille. C'est justement marqué l'histoire de contact extraterrestre la plus documentée au monde, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et justement, lui, il disait qu'il avait mis des caméras de partout, il aurait réussi, on va mettre du conditionnel, à filmer donc un extraterrestre plusieurs fois, et surtout, ce qu'on constate à partir du moment où il y a un phénomène qui arrive, c'est justement les caméras qui commencent un petit peu à grésiller, à vaciller, donc la qualité est pas très bonne à cause de l'énergie ambiant qui entoure l'endroit où il se trouve lorsqu'il prend des photos ou des vidéos, et c'est pas évident parfois d'obtenir des photos nettes, même si on a des super caméras ou des super appareils photo, en même temps, il y a l'objet en lui-même qui apparemment fait vriller un petit peu le matériel électronique. Donc, d'où les photos de mauvaise qualité souvent. Et en même temps, il y a des fois des photos qui sont de très, très bonne qualité, mais ça paraît tellement être de la science-fiction qu'on a du mal à y croire aussi. Sachant en plus que les personnes elles-mêmes qui regardent ces événements en live, en vrai, doutent d'elles-mêmes aussi. Donc, des fois, on n'a même pas besoin d'appareil photo, tout ça. On a vu le phénomène et on n'y croit pas nous-mêmes. Alors, sur pièce, sur photo, en n'étant pas un témoin direct, c'est d'autant plus difficile que la photo soit nette ou floue. N'empêche, on regarde du coup les faits parallèles à tout ça et il y en a énormément, que ce soit sur le sol, sur même les gens. Après, on part sur une autre émission, d'ailleurs on la fera celle-là, on en avait parlé avant le direct, on vous prépare une autre émission bien sympathique et on abordera ces sujets-là. Voilà pour la question. Donc, on répondra concrètement sur quelques présentations de photos. Ouais, en plus. Voilà. Mais... je m'incruste dans ta conférence, Franck, à chaque fois, mais c'est vraiment un sujet que j'adore. Alors, Domenico qui nous dit « Bonsoir à tous, que pensez-vous du MUFON ?» Le MUFON est un organisme américain qui regroupe à peu près 3000 personnes et il a pour vocation d'enregistrer tous les cas d'OVNI dans le monde. Je vais vous donner quelques chiffres. En 2013, il y en avait plus de 6000 et en 2014, il y en a collecté 8600. Dans le monde. Pourtant, j'ai remarqué quelque chose, c'est-à-dire que dans ces graphiques, c'est surtout dans les pays anglo-saxons. Donc, je pense qu'il y a surtout un réseau très développé en Canada, États-Unis, Australie, et c'est surtout là qu'il les récolte. Mais c'est déjà une bonne vision. Et ce qui est intéressant pour le MUFON, c'est qu'il nous donne des stats réparties sur les formes de ces objets. Et il conclut, en 2013, par exemple, que la forme majoritaire est le cercle. Ce qui correspond à la tendance signée par d'autres études, le cercle, la sphère, on va dire. Le MUFON fait aussi des émissions qui s'appellent Hangar numéro 1. Hangar numéro 1, ils abordent différents sujets. Alors, il y a des sujets qui sont très intéressants, il y en a qui est consacré au présumé crash, il y en a d'autres qui sont présents. Liés par exemple aux ovnis, au président américain, il y a tout un tas de sujets. C'est présenté parfois avec des reconstitutions et un peu de spectacle. Mais ça, c'est normal, c'est l'ufologie américaine, c'est même dans la culture américaine. C'est-à-dire qu'en Amérique, tout doit être présenté comme un show, même en politique, c'est un grand show. C'est dans les gènes, quoi. Donc, c'est ce qu'il faut savoir, mais je trouve que les émissions sont intéressantes et qu'ils abordent
bah, des sujets avec Je des les ai grands tous interprètes. vus. Hangar 51, c'est vraiment le top, je conseille. Et justement, parce que comme c'est présenté comme un show, en plus, ça se regarde très agréablement. Ça passe tout seul. Allez, encore une autre question de Spasmophile qui nous dit bonsoir à tous, bonsoir Nora et Franck Morin. Encore une émission qui s'annonce intéressante. Une question pour l'intervenant pour plus tard. Alors, je vais la poser tout de suite. Son avis sur le récent survol de nos centrales par des drones. Les médias disent que ce sont des drones, mais un directeur de centrale aurait dit des ovnis. On entend souvent ce genre de choses, mais apparemment, c'est récent. Ça s'est passé entre novembre et décembre 2014 en France. La France comporte 19 centrales et il y en a 15 qui ont été survolées, c'est-à-dire la quasi-totalité du parc. Sur une analyse de presse, les événements ont été signalés dans les médias nationaux et régionaux. Et les caractéristiques de ces ovnis étaient qu'ils étaient majoritairement de 1 à 2 mètres de long. Sauf un cas Golfech qui a été signalé sur le journal Nexus et qui faisait 7 mètres de long d'après les témoins, dont un avait porté des jumelles. C'était des drones qui virevoltaient autour des centrales et qui ont été pris en chasse par des hélicoptères militaires. Ils ont réussi à semer ces hélicoptères militaires, ce qui est étonnant parce qu'un hélico militaire, ça peut aller à 200 km en vitesse de moyenne et jusqu'à 300 en vitesse de pointe, pour ceux qui étaient dans les événements en tout cas. On ne sait pas d'où ils viennent. Ce qui est très curieux, c'est que à certaines journées, une demi-douzaine de centrales ont été survolées en même temps. Donc, ça implique une organisation, un groupe, une volonté de faire une opération coordonnée. Il y a eu l'hypothèse des organisations écologiques de type Greenpeace, mais c'est pas dans leur style. Parce qu'en général, quand elles font ça, par exemple en 2012, elles avaient survolé la centrale de Bugey avec un ULM, ben, ça a été revendiqué tout de suite. Parce que c'est ce qu'ils recherchent, c'est à faire des coups médiatiques. On a pensé que c'était des terroristes, mais c'est aucun intérêt. Bon, je ne vais pas m'étendre, parce qu'il y a des questions de sécurité nationale, donc je ne vais pas m'étendre dans les détails techniques. On a pensé que ça pouvait être des militaires russes. Parce qu'à l'époque, les Russes faisaient des provocations, ils envoyaient des bombardiers aux frontières de l'Europe. Mais là, c'est plus qu'une provocation, parce que quand on survole le parc nucléaire militaire d'un pays, ami ou ennemi ou neutre, c'est un grave incident diplomatique international. Et on se demande pour le mode opératoire, il aurait fallu que ces drones viennent de Russie, ou alors qu'ils soient amenés par camion, par bateau. Enfin bon, c'est un peu compliqué au niveau de la logistique. Et on ne voit pas le message qui aurait pu être fait derrière. On a pensé que c'était des Chinois, ouais. Mais là encore, bon, on ne voit pas pourquoi. Ou alors, il y en a qui ont dit que ça pouvait être une incursion exogène, parce que dans le mode opératoire, ça ressemble à ce qui s'était produit en 1948 aux États-Unis, où tout le parc nucléaire américain, même les endroits les plus secrets, avait été survolé par des objets très rapides de nature inconnue. Merci. Voilà où on en est. Je sais qu'il y a eu des mesures de sécurité qui ont été prises autour des centrales suite à cet incident, mais on n'en sait pas plus. Il y a des photos qui ont été prises aussi, mais elles ont été classées secret défense. Affaire à suivre. Merci beaucoup. Jean-Pierre Després qui nous disait tout à l'heure, bonsoir Nora et Guillaume, Monsieur Morin et à tous les Nuréens. Je suis très heureux de participer en direct à cette émission qui s'annonce passionnante. Une question qui me titille. Est-ce que les vagues d'OVNI et depuis 1965 vous semblent coïncider avec la première sortie dans l'espace, d'abord par les Russes et ensuite les Américains? Si on reprend les dates, le premier satellite dans l'espace, c'était Sputnik en 1957. Donc là, la première vague de 47 à 54 était bien passée. Il y avait Yuri Gagarine en 1961, si j'ai bonne mémoire. Et dès les années 1960, plusieurs pays, dont la France, commençaient à lancer leur premier satellite. Et le premier français, c'était Astérix. Faire une corrélation entre le lancement dans l'espace et les vagues d'OVNI, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a eu beaucoup. Hein. Dès les années 60, c'était les premiers satellites, il y a eu l'émission Apollo, ensuite. Il y a eu l'émission de 1 à 10, c'était des vols exploratoires autour de la Lune. Et après 11 à 17, c'était de 1969 à 1972, si j'ai bonne mémoire. On ne voit pas trop la corrélation avec ça, mais par contre, on sait qu'il y a des missions spatiales qui ont observé des objets volants non identifiés.
ou des formes inexplicables dans l'espace, en tout cas. On pourra en faire la liste, mais bon, ça sera un peu long. Allez, petite dernière, finalement, Freddy, parce qu'il y en a eu d'autres qui sont arrivés entre-temps, on va les garder pour plus tard. Freddy qui nous dit, petite question, j'aimerais savoir si Franck est réellement convaincu que certains phénomènes PAN, donc phénomènes aériens non identifiés, puissent être vraiment d'origine extraterrestre, tout en connaissant la difficulté et les moyens que ces êtres devraient mettre en œuvre pour parcourir les quelques milliers, voire millions d'années-lumière de distance qui nous séparent. Une origine d'engin militaire top secret, type projet Aurora, pourrait peut-être être plus probable pour grand nombre d'observations. Ça fait beaucoup de questions. Je ne sais pas Oui, par laquelle commencer. C'est-à-dire pour Freddy, c'est vrai que cette idée de se dire que si jamais il y avait une vie extraterrestre, elle serait forcément à des années et des années, voire des milliers d'années-lumière d'ici. Donc, beaucoup ont du mal à imaginer qu'ils puissent être aussi loin et en même temps venir nous visiter, faire des allers-retours, voire faire des trucs voilà, très, très sporadiques, une abduction ou deux, on y va, voilà, ce genre de petites choses. Là, ça reste à définir déjà. Alors, effectivement, l'objection majeure à l'hypothèse extraterrestre de niveau 1, c'est-à-dire que ce soit des engins matériels et des êtres matériels qui nous visiteraient, c'est les distances. Parce que la première étoile est à 4 années-lumière, et aux vitesses à laquelle on peut aller, c'est-à-dire à peu près dans les 40 000 km par heure, comme on est dans l'espace avec une capsule, ça mettrait des années, ce n'est pas possible à une échelle humaine, même sur plusieurs générations. Récemment, il y a le projet de Stephen Hawking, l'astrophysicien britannique, le projet Starshot, qui consiste à envoyer des nanosondes sur Alpha du Centaure, qui est en cours d'étude. C'est là une première dans l'histoire de la conquête spatiale, c'est-à-dire qu'il envisage de projeter juste des petits objets sur une autre planète. Et il faudrait à peu près 20 ans pour le faire, si c'est réalisable. Pour répondre à cette question, on peut peut-être la poser à l'envers, c'est-à-dire que nous, comment est-ce qu'on procéderait pour détecter et aller dans l'espace? Ce serait d'abord, avant d'y aller, on les détecterait sûrement parce que on commence à développer des projets de détection de la vie intelligente dans l'espace. On commence à détecter les exoplanètes depuis 1995. Actuellement, on affine les méthodes et on essaye de retrouver des biosignatures. Une biosignature, ça signifierait qu'il y a des êtres vivants. Recherche des signes de structure artificielle, mais là, on n'y est pas encore. Et sinon, on pourrait rechercher aussi des signaux. C'est le programme SETI. Avec le nouveau télescope spatial James Webb, normalement qui est lancé en 2018, on va avoir beaucoup plus de matière pour faire ça. Donc, il est probable que s'il y a des civilisations extraterrestres autour de nous, on va d'abord les détecter par télescope. Ensuite, la question qui va se poser, c'est que si on en trouve, et que, si elles sont à notre niveau ou inférieur, on va dire, qu'est-ce qu'on prend contact? Où est-ce qu'on les laisse? S'ils sont vraiment, je ne sais pas, à l'ère du Moyen-Âge, est-ce qu'on les laisse vivre leur vie? Ou sinon, on prend contact au risque de les perturber irrémédiablement et de leur faire subir un effondrement culturel? On peut donc supposer que la question peut être posée aussi de l'autre côté et se dire qu'ils feraient probablement comme nous on ferait, c'est-à-dire une phase d'observation, sans déranger, comme une boîte de pétri. Et ce serait beaucoup plus facile d'envoyer des sondes ou des microsondes, surtout déjà pour observer à qui on a affaire. Et ensuite, peut-être, tant que si c'est matériellement possible dans l'avenir, mais bon, d'aller sur place directement. Exactement. Apprendre à les connaître avant d'arriver en plein milieu de leur de la place d'hôtel de ville et dire salut, c'est nous. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se dit bah finalement ils feraient peut-être des milliers de kilomètres. Pourquoi ils viennent pas directement en plein milieu d'une place pour dire salut, c'est nous? Alors déjà, il se pourrait qu'ils l'aient fait. Et en plus, oui, on peut supposer secrètement ou voilà, il y a quand même des photos des où, ouais, je sais pas moi, l'Arizona par exemple. Salut. Et donc voilà, c'est peut-être essayer de faire en sorte que on puisse se réveiller sur la possibilité qu'il y ait une existence extraterrestre avant de se pointer et de dire salut, c'est nous. Ce serait logique et on ferait exactement la même chose si on était à la même place. Voilà. En lieu et place. Donc voilà pour les questions. On passe au dossier, voilà, au bout de 40 minutes d'intro. On est bien, on est tranquille, on se détend, il n'y a pas d'urgence. On avance. On n'a pas le temps passé avec toi. Allez, c'est parti, c'est mis à l'écran.
1965, alors, dans un endroit assez isolé, donc un continent antarctique, ont commencé à être observés des ovnis, et notamment de grande taille, en forme de disque, sur des bases scientifiques là-bas. Notamment plusieurs bases et plusieurs témoins, donc des bases argentines, chiliennes et britanniques, qui étaient situées sur la pointe. Sur les îles à la pointe de l'Antarctique. Alors, c'est très curieux que des ovnis soient observés dans une zone aussi isolée, parce qu'en fin de compte, en Antarctique, il y a que, même de nos jours, il y a 4 ou 5 000 scientifiques qui travaillent dans des conditions extrêmes, parce qu'il peut faire jusqu'à moins 80, moins 90 degrés l'hiver en Antarctique, et d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup d'aéronefs qui se promènent là-bas. Pour des raisons pratiques, c'est que il y a à peu près 600, au moins 600 km qui séparent la pointe de l'Amérique du Sud des premières îles de l'Antarctique, et par seuls des avions très particuliers peuvent atterrir sur les bases, sur les pistes d'atterrissage gelées en Antarctique. Il leur faut un équipement spécial. Aucun avion de ligne, un avion de ligne classique ou même un avion civil s'aventurerait pas là-bas parce qu'il sait qu'il aura des grosses difficultés à atterrir et que s'il se trouve en panne, ça va pas lui faciliter la vie. D'ailleurs, j'ai cru voir qu'il y a un article qui disait que c'est qu'en 2015 qu'un Boeing a réussi à faire poser un avion de ligne là-bas et c'était une première mondiale. Quoi qu'il en soit, les événements ont été d'abord signalés sur ses premières bases. Et ensuite, les observations d'OVNI ont remonté toute l'Amérique du Sud. D'abord en Argentine et au Chili, et puis après en Uruguay, puis jusqu'au Mexique. Les documents qu'ils stipulent, bon, c'est surtout des articles de presse, par exemple The Albany Times, Unidentified Object, Flying Object Spotted Over Antarctic, donc OVNI repéré au-dessus de l'Antarctique. L'été des soucoupes volantes, The Summer of the Flying Saucer. On a aussi, j'avais trouvé des articles de journaux français qui faisaient allusion, et on a aussi des rapports militaires américains comme celui-ci, là que j'ai mis à gauche. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il y a un rapport américain dans des événements qui se produisent en Amérique du Sud à cette époque. C'est parce que dès les années 1950, le FBI avait donné l'ordre à tous ses agents dans le monde, ainsi qu'aux ambassades américaines de récupérer tous les articles de presse et les informations sur les ovnis partout dans le monde. Et après, ils faisaient des synthèses comme ça par dossier. Alors donc, ces ovnis vont remonter progressivement. Alors par exemple, j'ai pris un cas au Chili, 29 juillet 1965, à Puerto Monk. Des témoins groupés signalent un objet volant discoïdal qui émet des lumières de couleurs variées. Et le lendemain, voilà ce qu'on a trouvé. Bon, c'est la seule photo de l'événement que j'ai pu trouver, mais on voit un cercle brûlé. Il y a un article là, qui dit « Vehículo espacial barro en el sur y causó gran pánico ». Donc, pour ce journal, il n'y a pas de doute, c'est un véhicule qui vient de l'espace. En Argentine, toujours pendant l'été 1965, il y a une grosse vague d'observations d'ovnis et de prises de photos d'ovnis qui apparaissaient la nuit. C'est une étude qui a été faite par une association ufologique argentine qui s'appelle Fundación Anomalía, par Vicente Juan Balestre-Olmos, qui est un ufologue connu pour ses travaux en Argentine, mais après pour d'autres travaux qu'il a menés à l'international. Et là, il a entrepris de répertorier une quarantaine de photos d'ovnis pendant l'été. Alors, on pourrait poser la question, pourquoi est-ce qu'il y en a autant? Parce que tout simplement, il y avait tellement d'observations que c'était devenu le divertissement le soir. Les photographes et les gens sortaient avec des appareils photo pour essayer de le Oui. capturer. Alors, parmi ceux-là, bon, on trouve des cas intéressants. C'est surtout ceux où il y a le même objet qui est photographié plusieurs fois. Par exemple, 13 photos prises par deux photographes qui nous indiquent un objet géométrique et semblant se déplacer. Évidemment, ce n'est pas les appareils photo de l'époque, qui, comme on en parlait tout à l'heure, c'est de nuit, donc il faut pas s'attendre à des photos très nettes, mais on voit quand même des formes géométriques anormales sur ces photos. Lumineuse, ouais. Et cet ufologue, sur le camembert qu'on voit en dessous, donc il a fait une étude pour savoir de quoi il s'agissait, et la pointe que j'ai mise, qui est en bleu foncé, c'est les supposés ovnis.
Et sinon, les explications restantes, c'est très souvent des flares ou des réflexions lumineuses ou alors des confusions avec Vénus. Bon, déjà, ça nous donne une petite, un petit exemple de ce qui s'est passé dans cette région-là. Et après, ça s'est poursuivi, donc comme si la vague remontait, parce qu'elle atteint le Canada. Et il y a eu un incident le 9 novembre 1965, une panne électrique géante qui a été attribuée à des ovnis. Alors pourquoi? C'est parce que près des centrales électriques, des témoins ont dit avoir vu des ovnis. Oui, on ne sait pas ce qui maraudait dans le secteur. En tout cas, il y a eu un incident non expliqué, c'est-à-dire que les générateurs ont sauté. Et des analystes ont attribué ça à une surcharge inconnue d'énergie. Alors, si c'est vraiment des ovnis qui ont fait le coup, à quoi ça pourrait rimer? Peut-être une démonstration de force? Bon, on n'en sait pas plus. Un autre cas assez intrigant en décembre 1965, c'était l'incident de Kecksburg aux États-Unis. Alors, ça a commencé où une énorme boule de feu était vue dans le ciel dans plusieurs États, américains et canadiens. Des pilotes se sont même approchés. Ils ont relaté des ondes de choc, notamment des bangs soniques. C'est ce qui est très curieux pour une météorite, parce qu'elle devrait aller beaucoup plus vite. Les météorites, quand elles pénètrent l'atmosphère, elles vont à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par heure. Elles sont certes freinées, mais là, les pilotes ont signalé une vitesse anormalement lente. Et après, des témoins ont évoqué un crash lumineux dans une forêt. À partir de ce moment-là, il y a des témoins qui sont approchés. Ils disent avoir observé l'objet qu'on voit sur la sculpture ici représentée en photo au-dessus, là, qui a été reproduit pour l'émission de Mysteries. Une espèce de cloche avec des hiéroglyphes. Mais tout ça repose que sur du déclaratif. Bon, c'est sûr qu'il y avait plusieurs témoins. Et après, il y en a qui disent qu'ils ont vu l'armée embarquer cet objet dans un gros camion. Parmi les thèses, il y a eu celle du crash d'un satellite russe, mais en fin de compte, le Cosmos 96, a priori, s'était écrasé déjà plusieurs heures avant. Peut-être un appareil secret, mais alors on se demande pourquoi est-ce qu'il vient de l'espace. Ce n'est pas encore une époque où les Américains maîtrisaient bien parfaitement les vols spatiaux. Et des ufologues, notamment Leslie Kean, qui est une journaliste américaine qui a fait de remarquables enquêtes sur le phénomène OVNI, et des livres sur des témoignages de généraux et de scientifiques et d'ingénieurs que je conseille de lire. Et sinon, le politique John Podesta ont fait une action de justice pour obtenir des informations. Mais la NASA a fini par leur répondre que c'était un satellite russe, mais que de toute façon, tous les documents étaient perdus ou détruits. Voilà où on en est sur l'incident de Okay. Kecksburg. Et on peut passer à la page suivante. Oui, c'est bien celle-là. L'année 1970-73. C'est bon, tu la vois à Ah l'écran? oui, c'est bon. Ok. Alors, dans les années 70, il y a eu beaucoup d'observations d'OVNI, et surtout un pic en 1973-1974. Il y a eu tellement de cas que ce serait peut-être un peu fastidieux de tous ces évoqués. Donc, j'en ai pris juste quelques-uns qui indiquaient des lignes récurrentes qui se répétaient, ou qui semblait indiquer une caractéristique dominante. On voit une photo étrange à gauche, en France, qui a été prise en France, à Taverne, enfin qui aurait été prise, parce que pour la petite histoire, c'est un ufologue qui a retrouvé ça sur le pare-brise de sa voiture. Alors pourquoi? Parce qu'il avait visiblement un autocollant d'une association ufologique, je me souviens que c'était LDLN. Et c'est une photo il y avait une petite note qui expliquait que le témoin était un médecin anonyme. Il donnait quelques précisions sur la prise de cette photo. Bon, effectivement, c'est un peu ennuyeux qu'on ne peut pas contacter le témoin. C'est sûr. C'est embêtant. Par contre, ce qui est très curieux sur cette photo, c'est qu'on voit des espèces d'ondes lumineuses brisées. Donc, je ne sais pas si je peux pas La simplifier. lumière s'arrête net, ouais. La lumière s'arrête net.
Alors, les sceptiques en disent que la lumière ne peut pas être déviée, c'est impossible. Et on les rejoindra dans ce constat, puisque la lumière ne peut pas être stoppée comme ça. Elle peut être déviée dans des conditions très particulières. Quand, par exemple, c'est lié à une gravitation, si la lumière s'approche d'une étoile, elle peut être très, très légèrement déviée, ou dans certaines particularités astronomiques, comme si elle approche un trou noir, là, elle peut être... Oui, donc c'est pas possible, je rajouterais selon nos connaissances actuelles de la science. Voilà. Voilà. En tout cas, on ne peut pas reproduire ces conditions de gravité sur Terre, ce n'est pas possible. Donc, il y a beaucoup d'analystes qui ont dit que ça ne peut pas être de la lumière. Et l'hypothèse majoritairement avancée, c'est celle de l'ionisation de l'air par un champ électrique. Et là, en fin de compte, en stimulant une certaine partie de l'atmosphère, on pourrait créer n'importe quel motif, c'est-à-dire des lumières qui sont tronquées, brisées et même discontinues. Parce que ce genre de témoignage, on le voit de manière assez courante dans quelques affaires ufologiques, comme celle de Trencas en 63, un peu juste au-dessus, où une famille a déclaré s'approcher d'un objet en forme de soucoupe. Et il y avait tout un tas d'effets, dont des rayons de lumière cylindrique. Et il y en a d'autres des comme ça. Ça, c'est un peu le cas ufologique argentin bien connu. Bizarre. En haut, à droite, on voit une photo, parce qu'on parlait des photos nettes de soucoupe, on voit l'une par exemple. En fin de compte, c'est un policier qui s'était arrêté sur une aire de stationnement, sa radio a grésillé, et il a vu cet objet qui s'est d'abord approché de lui, donc il a pris son appareil photo, et ensuite l'objet s'est éloigné d'après ses déclarations. Ce qui est intéressant sur cette photo, c'est qu'on voit des éléments de relief, on voit une espèce de petite pointe sur la photo de gauche au-dessus de l'objet, on voit une ombre, et tous ces éléments, en fin de compte, quand on a des reliefs, des reflets, des ombres, sont des éléments très intéressants pour les analystes, parce que c'est des éléments concrets qui vont permettre de dire si la photo a été truquée ou non. Pour ce cas-là, j'ai été rechercher s'il y avait des contre-analyses sceptiques, mais je n'en ai pas trouvé. À poursuivre. Parmi des cas marquants en France, en 1973, il y a celui-ci en Basse-Normandie, deux pilotes militaires de l'ALAT étaient dans un hélicoptère. Et tout d'un coup, ils déclarent avoir vu passer cet énorme engin en forme de dirigeable ou de haute cigare à très haute vitesse, parce qu'il a à peu près mis une seconde ou deux à traverser tout l'espace aérien. Et ces deux pilotes, d'ailleurs, ils sont passés sur une émission sur D8, enfin D2, il était là, et il a expliqué ce qui s'était passé. J'avais vu le témoignage, et c'est vrai que là, de voir cette image là, effectivement, ils en parlaient, c'est vraiment énorme, on pouvait pas le louper, quoi. Ah, oui. Au point de vue technique, ils ont juste précisé que parce que ça, c'est une vue d'artiste, il y avait une ombre qui avait été portée au sol, mais c'était pas le cas, mais sinon, ça correspondait fidèlement à ce qu'ils avaient observé. En fin de compte, cet objet, s'il a vraiment traversé le ciel dans ces conditions-là, il a battu au moins 4 records du monde. Le premier, c'est la taille, parce que les plus longs avions construits au monde ne dépassent pas 100 mètres de long d'envergure. Et quant au dirigeable, le plus long au monde, de mémoire, il faisait 240 mètres de long, et c'était le Hindenburg, qui a été brûlé par un incendie célèbre en mai 1937. Et depuis, il n'a pas eu de plus gros. Concernant la vitesse estimée, il faut savoir que pour un dirigeable, les dirigeables ils volent plutôt aux alentours de 100 km/h que de 9000. Et 9000 km/h, c'est supérieur à la vitesse maximale obtenue pour un vol limité de l'atmosphère. En fin de compte, le record est toujours fixé par un Northern American X-15, qui en 1967 a volé environ 7270 km/h. Donc il a pulvérisé encore un nouveau record. Et un troisième, qui est que il aurait dû se produire avec une taille pareille et une vitesse pareille, une onde de choc terrible. Donc non seulement l'hélicoptère aurait dû être brisé, mais on pense qu'il aurait dû avoir des dommages au sol. Et enfin, le quatrième record qu'a battu cet engin, c'est le silence.
Parce qu'un avion de chasse, par exemple, n'est pas censé être silencieux, surtout quand on traverse le ciel à cette vitesse. Ça va faire un boucan d'enfer. Mais là, c'était parfaitement silencieux. Voilà un peu pour ce cas, pour ces cas qui ne sont que vraiment quelques-uns choisis parmi d'autres. Si on veut un jour étudier cette vague de 73-74, on pourra en sortir bien d'autres. Ça a été mis en valeur par les travaux du journaliste Jean-Claude Bourré, qui intervient d'ailleurs toujours en ufologie, mais dont les travaux ont été très marqués dans les années 70, parce qu'il animait des émissions radio. Il a interviewé beaucoup de gens, que ce soit des témoins, mais aussi des professionnels techniques dans leur domaine. Il a une belle bibliographie, puisque il a fait 4 livres à l'époque. Et avec une méthode qui est intéressante, c'est que dans certains, on a une triple enquête pour un seul cas. Donc, il prend les premières déclarations des témoins. Ensuite, il prend les PV de ce qui a été dit dans les PV de gendarmerie. Et après, il les réinterroge. Et effectivement, comme Jean-Claude Bourré est réserviste de l'armée, et en plus, il avait sa carte de presse, il ouvrait pas mal de portes pour obtenir des documents intéressants là-dessus. Et une de ses interventions notables était celle de l'interview de Robert Gallet, qui était ministre des Armées en 1974, et qui a déclaré, lors de cette interview, reconnaître l'existence d'événements aériens inexpliqués, et notamment des observations visuelles de phénomènes lumineux tantôt sphériques, tantôt ovoïdes, et qui se traduisent par des déplacements extraordinairement rapides. On notera cette attitude de Robert Gallet, qui se différencie de la politique militaire américaine qui a toujours nié le phénomène OVNI. Bon, au moins, ici, il en a reconnu l'existence. Il est resté quand même assez prudent sur l'interprétation. Il n'a pas dit que ça venait d'ailleurs, mais soulignant qu'il fallait continuer à l'étudier, et il préconisait une attitude ouverte sur le sujet, notamment en s'intéressant aux déclarations des témoins. Et cette interview a eu des rebondissements dans la presse, puisque plusieurs journaux l'ont retraduit en disant, par exemple, que les ovnis constituent réellement un problème, qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'il y a une réalité derrière ces événements. Voilà pour les années 70, on peut passer à la période suivante. Ok. Voilà, c'est calé. C'est bon, tu vois la... Je vois rien. Tu vois rien à l'écran? Ah voilà, ça va arriver. Ok, d'accord. Ça demande un petit peu de temps là ce soir. Je crois que tout le monde a une petite ligne internet un peu faible ce soir. Ah oui, mais ça ne nous empêchera pas d'avancer. Exactement. Je vais parler d'un livre qui a été écrit par un ufologue franco-chinois qui s'appelle « Les Chinois extraterrestres » qui a été publié en 1983 par l'ufologue Chibo. Un livre très intéressant parce que la Chine, à partir du moment où elle était sous Mao, était un pays très fermé à tout ce qui venait de l'Occident. Et cet ufologue a recueilli tout un tas de témoignages des témoins classiques, des gens qui lui envoyaient des lettres, mais aussi qui provenaient de militaires, de casernes et d'officiels. Et on voit que la Chine a eu ses vagues d'OVNI comme beaucoup d'autres pays. J'ai regardé, essayé de savoir s'il y avait un début, si on a effectivement des cas dans les années 40, quelques-uns, mais c'est surtout, d'après ce que j'ai pu voir, dans les années 60 que là on commence à avoir des grandes vagues, comme pour faire le parallèle en Russie aussi. Et en 1981, il y a eu une grosse vague sur laquelle il y a eu plusieurs événements, donc j'ai pris celui qui était le plus marquant, celui-ci. C'est le 24 juillet 1981. Dans plusieurs régions chinoises, à peu près une dizaine, des milliers de témoins ont observé ce phénomène. Donc on avait des témoins en groupe, parfois jusqu'à plusieurs centaines en même temps, des foules quoi, en fin de compte. Voilà ce qu'ils ont décrit. Un objet donc, qui tournait sur lui-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors c'est le petit détail qui est intéressant de préciser, parce que quand ça vient de différentes régions et que les gens vous disent que ça tourne dans le sens inférieur, enfin,
Inverse des aiguilles. Inverse des aiguilles d'une montre, ça signifie qu'il y a quelque chose de. C'est un détail qu'on ne pourrait pas inventer. Et de part, certains ont fait des croquis. Et celui qui est à gauche, où on voit que l'objet du centre, quand même, ressemble à une soucoupe, avec une soucoupe avec des fenêtres, c'est parce que le témoin avait une longue vue. Donc, j'ai pu voir des détails. Ouais. Voilà, c'est ça. Et on peut se demander à quoi rime, parce que effectivement, des fois, dans l'histoire ufologique, on a ces affaires de spirale. Mais si une intelligence qui vient d'ailleurs, ça rime à quoi d'aller faire un spectacle pareil? Quel message est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce qu'il peut être adapté à la culture locale? C'est ce que j'allais dire, oui. Et effectivement, il y a des témoins qui ont dit oui, ça ressemblait comme à un dragon. C'est ça. Alors, est-ce que c'était une manifestation inspirée des rites et des coutumes, de l'histoire? Bon, comme des fois, certains ufologues avancent cette hypothèse. Une autre vague, de 1983 à 1985, sur le Hudson River aux États-Unis. C'est sans doute une vague où il y a encore eu un nombre maximal de témoins, 7000 selon le 7000 témoignages selon le QFOS. Dans l'État de New York et du Connecticut, on avait des engins de grande taille, silencieux, en forme de boomerang ou de V, dont on voit quelques croquis ici. Donc la SOBEPS, Association ufologique belge, dont je reparlerai plus tard, avait à l'époque fait cette classification. On a une famille qui déclare avoir vu cet objet en forme de V et constellé de points lumineux. Et il y a aussi quelques films comme celui-ci qu'on voit à Brewster. Mm-hmm. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas des canards en tout cas, ou ni des pélicans. Mais si, c'est la lumière qui se reflète sur leur ventre. Ah, voilà. Ou dans les yeux des vaches, par exemple. Bon, ça, on faisait bien sûr allusion à certains ufologues sceptiques ou même très sceptiques ou acharnés qui faisaient ce genre de remarques quand il y avait des cas d'OVNI. Alors, ce qui est surprenant sur cette vague, c'est son insistance, parce qu'elle a duré 2 ans, la taille des vaisseaux, parce que là, on est à la limite du record mondial, toujours 100 mètres d'envergure, une forme inusitée. Et on se demande ce qu'ils venaient faire dans le secteur. Certains ufologues ont noté qu'il y avait une centrale nucléaire dans le secteur, mais aussi une base de sous-marins lanceurs de têtes nucléaires. Et pour le contexte politique, Ronald Reagan avait lancé la guerre des étoiles, à l'époque l'IDS, qui consistait à doter les États-Unis d'un espèce de bouclier de satellites tueurs de missiles. L'année suivante, c'était la nuit des ovnis au Brésil, le 19 mai 1986. Une vingtaine d'ovnis ont toute la nuit ennuyé les radars et les pilotes parce qu'ils s'approchaient de lieux stratégiques. Ils ont été vus, détectés et ils ont été poursuivis par une demi-douzaine d'avions de chasse dans plusieurs états du Brésil. Contrairement à la politique américaine, les autorités brésiliennes ont décidé de dévoiler directement les faits, puisque quelques jours plus tard, ils ont fait une conférence de presse dans la capitale Brasilia, où plusieurs militaires de haut rang, dont le général de l'armée de l'air, Julio Moreira Lima, ont confirmé les événements. Ils ont publié la chronologie. Des rapports déclassifiés ont été déclassifiés récemment, enfin en 2009. Et ce qui était particulier, c'est qu'on a des objets lumineux qui changeaient de couleur, des formations supérieures à 10. Et des faits très curieux, c'est-à-dire que par exemple, un avion de chasse poursuivait des ovnis. Et puis tout d'un coup, ils se sont aperçus que ces ovnis se sont trouvés tout autour de lui ou derrière lui. Donc là, le jeu de poursuite s'est inversé. L'histoire ufologique brésilienne est très riche. On pourrait citer les événements de Colares, très curieux, en 1977 sur des îles où des habitants ont fait état de multiples observations d'OVNI et même de présumées agressions. Fabrice Bonvin avait fait une conférence là-dessus. On peut citer Varginha, qui est surnommé le Roswell brésilien,
puisque d'après des témoignages qu'ont réussi à récolter des ufologues, un engin s'est crashé, des militaires ont récupéré de présumées créatures dans une forêt, il y aurait eu quelqu'un qui aurait été contaminé. Enfin, c'est toute une histoire, je vous laisse la découvrir. Et parmi les autres quatre écuries au Brésil, mais ça, il faudrait qu'on en reparle plus longuement, il y a des enquêtes de Bob Pratt dans des villages isolés au Brésil qui relatent des rencontres de type 1, 2 et 3, tellement bizarres qu'on a du mal à les imaginer. On a notamment ce qui ressemble à des simulacres d'agression, des poursuites par des ovnis, des tentatives de capture. Enfin, voilà un peu, c'est un résumé de son livre OVNI Danger. D'accord. Voilà un peu pour les années 1980. Hop, j'avance sur la suite. Énigme spatiale. On va très loin là. Les énigmes spatiales. C'est un catalogue assez fourni qui existe quasiment, même avant l'envoi du premier satellite en 1957, des astronomes, et par exemple le Major Kio en 1954, disait qu'il y avait des objets volants non identifiés de très grande taille qui avaient été observés, enfin repérés dans l'espace. Et à partir de là, il y a eu toute une histoire d'énigmes spatiales dont je n'ai pris que deux qui étaient significatives pour illustrer. Mars, la planète Mars a deux satellites, donc Phobos et Deimos, et plusieurs anomalies ont été relevées sur Phobos, qui est un satellite naturel d'environ 70 km. D'abord vu par la sonde Viking, ici on voit quelques lignes qui peuvent paraître étranges, mais d'après les études de scientifiques, il n'y a rien de mystérieux sur ce point-là. Néanmoins, en 1989, le 28 mars, il y a eu un incident notable. C'est-à-dire que les Russes avaient envoyé leur sonde Phobos 2 et la sonde a perdu contact pour un problème inconnu, peut-être un choc, certains supposent. Et alors, d'après les dernières photos qui ont été envoyées, et ensuite, il me semble que c'est Madame Popovitch, astronaute russe, qui les a dévoilées, on trouve une forme elliptique allongée en bas, là, qui a été transmise juste au dernier moment et qui devait être au-dessus de Mars. Alors, les hypothèses classiques ont été de dire que c'était un débris ou un objet. Un débris, non, parce que non, on dit des astronomes, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on savait, puis il y avait très peu d'objets en orbite autour. Et des astronomes sont arrivés à la conclusion que ça peut être qu'un réel objet d'une taille estimée à 20 km. Ce qui est hallucinant comme... Oui, comme dimension. Oui. Ça, c'est une des premières énigmes sur Phobos, mais il y en a d'autres. Une seconde est son comportement orbital est typique. Les scientifiques et les astronomes travaillent toujours dessus, mais il y a des anomalies à ce niveau-là. Et accessoirement, on a photographié des rochers bien étranges, comme celui de Mars Global Surveyor en 1998, où on voit une espèce de rocher conique ici représenté. Et on peut regarder celui à droite, là, ce qu'on appelle le monolithe de Phobos. Alors, bon, ça peut faire sourire parce que un monolithe comme ça, en plein espace, ça nous fait penser un peu au film Odyssée, l'Odyssée de l'espace. Et c'est une énigme dont a reparlé Buzz Aldrin en 2013. On en a trouvé un sur Mars aussi, un rocher étrange là en dessous. Alors, quand on regarde ces photos en général, parce qu'il y a beaucoup de photos de mauvaise qualité qui circulent sur Internet, c'est de reprendre leurs sources originales, les sources NASA. Par exemple, là, c'est PSP 9342. En général, c'est des suites de chiffres ou de nombres. Mais comme ça, on est sûr d'avoir les bonnes bases et surtout de les télécharger en haute qualité et de recentrer sur les zones anomaliques parce que ça évite de passer sur des photos qui ont été scannées, qui sont en mauvaise qualité ou qui circulent sur Internet.
Alors, quoi qu'il en soit, il peut être étrange de trouver des formes comme ça qui semblent géométriques, mais il y a eu des contre-thèses disant que ça peut être tout simplement des rochers naturels, même s'ils paraissent géométriques. Il y a le problème de la résolution, parce que si c'est pris de trop haut et si c'est une mauvaise résolution, sur certains cas, on s'est aperçu que finalement, c'était des objets classiques et naturels. Ne pas se fier aux ombres disproportionnées parce que ça peut être dû à la lumière du soleil. Si la lumière du soleil est rasante, par exemple, ça peut produire des ombres démesurées. Et ça pourrait être tout simplement une pareidolie. Alors, comment en savoir plus? Soit il faut attendre qu'une sonde qui dispose d'un appareillage de plus haute sensibilité s'approche de la planète. Mais ça, c'est qu'une énigme parmi d'autres. Sur la mission, c'était une autre, cette fois-ci, une vidéo. On parlait des vidéos de basse ou de mauvaise qualité. Celle-ci, on ne peut pas fermer puisque c'est la vidéo officielle de la NASA. Alors ça, c'est pas un extrait du film, c'est un recomposé. C'est-à-dire qu'en septembre 91, dans la mission Discovery, a été filmé un objet dont on voit le tracé, donc il avance comme ça, il semble suivre le contour de la Terre, voilà, comme ça. Puis tout d'un coup, il semble qu'il y a un temps d'arrêt et il y a deux faisceaux comme celui qu'on voit là, un faisceau vertical qui semble tirer de la Terre ou de je ne sais où. Et tout d'un coup, l'objet fait un minuscule temps d'arrêt et puis part à toute vitesse dans l'espace et avec un angle très court, comme on peut le voir ici. Alors, cette vidéo, vous pouvez retrouver très facilement sur le net avec les mots-clés, pose plusieurs ceci. La première hypothèse était celle que c'était celle d'une particule de glace. C'était l'hypothèse officielle de la NASA. Néanmoins, des scientifiques, et certains même de la NASA aussi, ne sont pas d'accord avec cette hypothèse et ils l'ont exprimé dans différentes vidéos où ils expliquent pourquoi, pour une dizaine de raisons. D'abord, le tracé du mouvement, sa brillance, une particule de glace ne devrait pas briller comme ça. Le temps d'arrêt, même si c'est un point que certains contestent, quand le regard est à l'œil nu, on semble quand même le distinguer. Le fait qu'il fasse un angle court, comme ça, une poussière, elle aurait dû virevolter si elle était poussée par des gaz. Et le fait qu'il y ait une accélération. Et des scientifiques ont estimé que cet objet se déplaçait entre une vitesse basse estimée à 700 000 km par heure et pour la plus haute en vitesse terminale à 1 400 000 km par heure. Vous pouvez retrouver leurs analyses. Si vous voulez, c'est J. Karcher et J. Carlotto. Alors, ce qui paraît surprenant, c'est que les objets les plus rapides dans l'espace habités, c'était les missions Apollo 8 et 10 qui faisaient environ 39 000 km par heure. Alors, effectivement, c'est des vitesses qui sont très largement supérieures à celles de l'atmosphère, mais c'est normal, il n'y a pas la résistance de l'air. Et après, l'objet humain le plus rapide jusqu'à maintenant, à date, c'est cette sonde Helios 2, qui, grâce à un effet gravitationnel, donc qui consiste à tourner autour des planètes pour acquérir de la vitesse, est parvenu à 252 000 km. On est quand même loin des vitesses estimées pour cet objet. Il y a eu d'autres films officiels de la NASA sur lesquels il y a des anomalies. Il faudrait y consacrer une émission complète. C'est sûr. Je suis en train de publier là dans les commentaires la vidéo dont on parle. Hop, voilà, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Oui, parce qu'on ne peut pas le faire en direct à cause des droits. Oui, c'est vrai. On ne va pas le faire à chaque vidéo. Oui. Ils peuvent bloquer la vidéo après. Le fasse directement de chez eux. Oui, donc j'ai juste tapé émission STS. Je suis tombée sur deux vidéos, une assez longue et une un peu courte. Je vous mets les deux liens. Alors, je pense que la deuxième, un peu plus longue, je suis en train de vous mettre le lien. Elle est un peu plus nette. Mais je pense que c'est sur celle-là qu'il faudrait un peu plus se poser. Donc, voilà. Il faut prendre le temps de le regarder. Deux petits détails techniques que je n'ai pas précisé. C'est que là, on n'a pas de l'OVNI principal, mais a priori, il y en avait un deuxième aussi sur la vidéo. Et les deux faisceaux lumineux, il y a une question qui est importante, c'est de savoir d'où est-ce qu'ils pourraient provenir.
Parce que dans cette hypothèse, dans l'hypothèse numéro 2, on est dans celle d'un vaisseau étranger qui s'approche de la Terre et qui aurait été, entre guillemets, chassé suite à un tir. Mais il faudrait savoir qu'est-ce qui a été tiré, si c'est un projectile, un laser ou je ne sais quoi, et de quel pays ça pourrait donner des renseignements. Certains pensent que c'est l'Australie, mais j'ai pas vu d'études poussées là-dessus. Et après, pour le calcul des vitesses, effectivement, c'est jamais, on peut jamais être sûr de pouvoir le faire avec une grande précision, mais j'imagine que cette fois-ci, ils ont pris comme repère la Terre, dont on voit une portion ici, à partir de ça, ils ont pu le calculer, quoi. Voilà, En j'ai rien d'autre effet. à ajouter sur ce cas. On peut OK. passer le suivant. Alors, ça me démange, j'ai envie de partager la vidéo. Attends, allez, on partage la vidéo, je te jure. Au bout d'un moment, on verra bien si la vidéo est bloquée. Alors, Alors, ouais, il faut prendre peut-être la plus courte, parce que comme ça, elle va directement aller à l'essentiel. Parce qu'en fin de compte, ça joue une seconde ou deux, en fin de compte, sur ce moment, il va changer de trajectoire. le problème, c'est que sur la vidéo la plus courte, j'ai pas l'impression qu'elle soit très très claire. Donc, je vais essayer quand même sur la vidéo un peu plus longue. Hop. Voilà, j'ai enlevé le son, donc déjà il n'y a pas le son. Si jamais il y avait une petite musique en plus, alors là c'était foutu. Voilà, Ouais, donc merci UFO les lunettes. Footage. Voilà, donc je vais juste caler la caméra de ce côté. Hop, est-ce qu'il y a assez bien lecture? Ouais. Donc, alors, 6 minutes. On va essayer d'avancer. Ouais, cette petite lumière. Il y en a une qui avance. Je crois que c'est Alors. celle-ci. C'est celle qu'on voit à droite, là, qui est en train d'avancer, là, non? Celle-là. Voilà, c'est pas celle-ci, là. C'est le bazar hein, là-haut, hein. Il y a plein de petits points. Ouais. On va essayer de voir à quel moment elle est bloquée. Hop, il se passe un truc par là. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Finalement, la vidéo longue, on voit pas bien ce qui se passe. Désolée, je repars sur l'autre qui était plus courte et plus nette. Ah, c'est pas Et c'est celle-ci, ce là. point-là. Ouais. Voilà. Là, on l'a vu Hop. partir, ouais. Et ensuite, je zoome un petit peu. Ils vont zoomer aussi de leur Ouais. côté dans leur vidéo. Alors, à voir sur le temps d'arrêt. Ouais, on voit quand même le temps d'arrêt là. Ouais. Et ça repart. Et c'est ensuite qu'on voit donc que cette lumière a évité un truc qui sortait de terre, de la terre. Et on voit que ça file quand même assez vite, hein. Ouais, ça attend pas plus qu'il ne faut, Et le il y temps a un qu'il autre faut. ovni en dessous là aussi là. Il me semble que c'est celui-là. Ah oui, il change de Alors. direction celui-là aussi, on dirait là. Officiellement, la NASA, elle en dit quoi de ça? Il y a eu un communiqué là-dessus ou rien du tout? Bah, c'était une particule de glace. D'accord. C'est de la glace qui a peut-être eu un choc avec quelque Ah oui. chose qui l'a envoyé de l'autre côté, probable du 8. Ok. Pourquoi Bon, pas? en fin de compte, cette vidéo, elle est classée dans le top 20 des vidéos d'OVNI. C'est pas, on n'y voit pas, c'est pas pour sa netteté, on n'y voit pas un aéronef bien détaillé, mais on y voit clairement un comportement On y intelligent. voit, voilà, un Et c'est pour mouvement ça. très Et en étrange. plus, c'est un film officiel de la NASA. Là, il n'y a pas de canular. C'est une source officielle. Et il y en a d'autres, hein, des comme ça. Il y en a d'autres où on voit des formes
qui tout d'un coup apparaissent à proximité de la Terre et qui s'englobent d'une espèce d'aura plasma, par exemple. D'accord. Donc voilà, au moins on aura pu passer la vidéo. Mmh. Et puis si jamais la vidéo est vraiment bloquée, je ferai une petite coupe à ce moment-là. Mais si c'est une question juste de publicité, tout ça bloqué, bah, c'est pas grave. Hein. Écoute, on profite bien. Nous, on fait sauter toutes les vidéos, nous, tous les deux, on partage des trucs. C'est pas grave. Allez, je passe à la suite. Bah oui, surtout quand il y a des vidéos à connaître, ça vaut le coup de. Bah ouais, c'est toujours plus sympa de les regarder tous ensemble. Hop, voilà. La vague belge, la fameuse vague belge. Enfin, on y est. C'est parti. Ça, c'est un gros dossier. Alors, je l'ai fait en 2 pages, mais ça en mériterait beaucoup plus. Alors, concernant la durée, ça a commencé en novembre 1989. Et après, ça s'est étalé jusqu'en 1991. Certains disent 1992. Mais voilà comment ça a commencé. Dans la région de Pin, des engins volants, un engin volant en zigzag a été signalé par 140 témoins. Ces chiffres viennent du colonel de Brouwer, donc à l'école, qui à l'époque était colonel, maintenant il est général, et qui dirigeait les forces aériennes belges. Ces témoins étaient un peu monsieur et madame tout le monde, répartis dans la région, parfois en groupe, mais il y a aussi des militaires et des gendarmes. Et parmi ces derniers, on va noter l'observation de deux gendarmes, Nichols et Van Montigny. Parce qu'en fin de compte, ce jour-là, il y a eu une dizaine de gendarmes en tout qui ont rapporté des faits. Mais ces deux-là, ils disent qu'ils ont arrêté leur camionnette sur une hauteur et ils ont vu un objet stationnaire. J'ai mis en gras les points qui me paraissent importants, qui émettait deux minces faisceaux de lumière rougeâtre, faisceaux rectilignes, qui sont sortis d'objets à grande vitesse. Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'au moment, ces faisceaux ont été émis, au moment où ils ont disparu, ils ont laissé une boule rouge à l'extrémité. Donc, on est encore dans un phénomène faisceau de lumière inexplicable, et celui-là est encore plus inexplicable que les autres, parce que je ne vois pas déjà comment un faisceau de lumière tronqué en plus pourrait laisser une boule à son extrémité, d'autant plus que cette boule est revenue vers l'objet, en fin de compte comme si c'était une sonde qui descendait autour du lac et qui revenait vers l'appareil. Et ce qui est encore plus curieux, c'est qu'il y a un second triangle qui est apparu et qui a rejoint l'autre. Et il y avait dessus une coupole posée comme une cale sphérique au sein d'une plaque un peu plus épaisse. Bon, en gros, ça veut dire qu'il y avait un cockpit ou une verrière, puisque celle-ci était composée de fenêtres rectangulaires. Ça, c'est le rapport qui a été recueilli par la SOBEPS. La SOBEPS, c'est une association ufologique belge qui, à l'époque, a réuni 2000 témoignages, dont 600 ont fait l'objet d'une interview. Donc, c'est un travail ufologique majeur dont j'applaudis l'ampleur, parce que interroger une telle masse de témoins, bon, déjà, il faut prendre le temps, parce que c'était des bénévoles à ma connaissance, il faut prendre le temps de les interviewer, faut payer les frais de déplacement. Alors, juste une seconde, c'est déjà le chat est arrivé, hein, donc voilà, s'il y a eu un petit message aujourd'hui, il s'est pointé. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des commentaires sur la page Facebook, je vous refais juste un petit partage d'écran pour vous expliquer où se passent les commentaires. Les questions et commentaires. Désolée, excuse-moi Franck, parce que tout le monde n'est pas au courant et je viens de le voir sur Facebook. Donc, vous allez sur Nuria TV. Vous cliquez donc sur la conférence de ce soir, soit en haut, soit un peu plus bas. Et là, donc, vous pouvez mettre lecture. Je vais éviter de le mettre, d'appuyer là pour éviter d'avoir le son en doublon. Et ensuite, vous voyez, les commentaires se trouvent ici, sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez été nombreux à partager les liens. Donc, j'avais partagé celui-là et celui-là. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de liens concernant la vidéo qu'on a vue. Donc, voilà, tous les commentaires sont ici. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nuria.tv, sous la vidéo de la conférence de ce soir, OVNI de 1965 à 2000.
Vous allez juste un petit peu plus bas et vous avez les mêmes commentaires que via la page Facebook. Donc, comme je vous ai vu déjà connecté sur Facebook, il n'y a pas de souci. Vous restez connecté d'un côté si vous voulez et puis vous arrivez sur le site et vous allez pouvoir poser vos questions et commentaires ici même. Je garde d'ailleurs beaucoup de questions que j'ai vues hein, depuis un petit moment pour la suite. Tu ne vas pas chômer. Hein, donc, je te laisse vraiment faire ton développement histoire qu'on aille jusqu'au bout. Que fait le chat? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, tu vas recevoir le moai sur la tête, là. Et donc voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et si je ne les prends pas tout de suite, si je ne les like pas tout de suite, c'est simplement pour pouvoir m'y retrouver. Et quand ce n'est pas liké, tout de suite, je peux regarder qu'est-ce qui n'a pas été liké. Et au moment où on prend les questions, c'est plus rapide pour moi. Voilà, donc, la petite information du soir. On repart sur le documentaire. Et voilà. Et je précise entre-temps que je regarde à moi aussi les commentaires. Je ne peux pas le faire tant que je fais ces interventions. Mais entre deux émissions, je les regarde. Et quand, par exemple, des éditeurs me disent de parler de tel ou tel cas, j'essaie de les intégrer. C'est pour ça que C'est pour ça qu'il y en a un peu plus ce soir. Merci voilà. À vous. Donc, il y a un éditeur qui a demandé le cas Chandrum, donc on va en parler. Il y en a qui ont demandé celui au Canada de Bonaventure, on va en parler aussi. Et puis, si je ne peux pas répondre aux questions ce soir, je regarderai, j'apporterai des réponses. Oui, pour la prochaine. Ouais. Génial, merci beaucoup. Merci d'y jeter un œil. Alors, Donc, on était sur cette première observation des deux gendarmes. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi regarder un replay de l'émission RMC Découverte qui s'appelle Le mystère des triangles noirs, qui a été publié en 2016 et qui parle de cette observation des gendarmes. Donc, le travail de l'Absoweb, c'est 2000 témoins. Et j'ai mis à gauche, on voit par exemple quelques exemples de croquis. Et on peut déjà faire remarquer que ça ne ressemble pas trop à des phénomènes naturels, puisqu'on a une espèce de profil type qui se dégage de portrait robot, comme le disait l'Assobeps, d'ovni triangulaire qui circulait lentement. Certains témoins disaient la vitesse d'un vélo, mais il y avait des vols stationnaires aussi, de couleur noire, avec trois sources de lumière et une quatrième au centre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas eu forcément que des triangles dans cette vague. Il y a eu d'autres observations plus ponctuelles, on va dire, mais de cylindres ou de sphères. Ce qui est très curieux, c'est que dès le départ, on a une telle masse de signalements. Alors, par exemple, pour cette première journée du 29 novembre, des sceptiques ont dit « oui, ça doit être une confusion avec les lasers d'une discothèque ». Hypothèse peu crédible parce qu'on imagine mal 140 témoins ne pas comprendre qu'il s'agisse d'un laser de discothèque, surtout 14 policiers. Quoi. L'affaire aurait dû être, si c'était le cas, elle aurait dû être pliée le soir même ou si ce n'est pas le cas, le lendemain. Et accessoirement, les lasers de discothèque ne se déplacent pas dans toute la Belgique parce que ces signalements vont se reproduire pendant au moins 2 ans et ponctuellement un peu partout sur le territoire. Et surtout la nuit du 30 au 31 mars 90, où c'est une véritable course-poursuite qui va s'opérer. Alors, ça va commencer par des observations visuelles d'OVNI. Et pour en savoir plus, vous pouvez aller voir ce que j'ai mis en gras, le rapport du major Lambrecht, qui détaille la chronologie des événements. Et il est librement téléchargeable. Et donc, ce qui est intéressant sur ce rapport, c'est qu'on voit la chronologie des faits. Donc, il nous parle de témoins visuels, mais aussi, il faut savoir que les bases au sol ont repéré des objets volants identifiés. Et accessoirement, il y a eu cette vidéo donc de Marcel Alfarano, dont on voit un extrait en bas à gauche, qui montre un objet constitué de 3 points, 4 points même, qui traverse le ciel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'à partir du moment où les ovnis ont été repérés comme ça visuellement et au radar, les forces aériennes belges ont donné l'ordre d'envoyer 2 F-16. Les F-16 ont poursuivi les cibles et ils sont même parvenus à faire ce qu'on appelle un lock-on, donc un verrouillage de la cible sur le radar pendant environ 6 secondes. Et à ce moment-là, l'ovni s'est
s'est échappé avec une manœuvre évasive incompréhensible parce qu'il a brusquement changé d'attitude en un temps record. Et ce qui a conduit le général de Brouwer à faire une conférence de presse dans laquelle il a donné des éléments techniques sur ces manœuvres. Il a montré par exemple les enregistrements radar en disant que ça correspondait pour un pilote, par exemple, s'il faisait une manœuvre à une telle vitesse, à encaisser 30 ou 40 G. Or, les pilotes peuvent difficilement encaisser plus de 10 à 12 G, ce qui est déjà une forte valeur. Peut-être 15 à 16 G, mais pendant un très court moment. 6 mois après, ben, ils risquent la mort parce que le corps, ben, il risque des voiles noires ou des voiles rouges, le corps broyé, des arrêts cardiaques. Et puis après, c'est l'aéronef qui prendrait, il serait disloqué. C'est super, instant gore, c'est toute la description. Il y avait des avions expérimentaux dans les années 60, il me semble, qui essayaient de passer à Mach 3. Il y a un pilote qui a fait l'erreur d'essayer de faire un virage trop sec. Bon, ben, c'est ce qui lui est arrivé. Quoi. À des vitesses pareilles, on ne peut pas faire des virages secs. À moins, certains auteurs pensent qu'il pourrait s'agir de combinaisons anti-G très particulières. Par exemple, inspirées du mouvement de certains insectes comme les libellules qui peuvent encaisser 30 G lors de leur déplacement, mais ils ont le métabolisme pour faire ça. Mais officiellement, non, il n'y a rien. Quoi. Déjà, il faudrait que l'engin, l'aéronef, en ait les capacités et après que le pilote encaisse le choc, l'effet inertiel. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur ce cas? C'est un effort remarquable de la part de l'armée, parce qu'à l'époque, l'armée, les forces aériennes belges avaient collaboré avec la SOBEPS et d'autres associations ufologiques, et ils ont joué d'une parfaite transparence. C'est-à-dire qu'en organisant ces conférences de presse, ils ont divulgué des données techniques qui sont utiles pour toute l'ufologie, parce que ça nous donne des caractéristiques, mais aussi un mode opératoire. Et quelques petites anecdotes, sachant que les pilotes ont dit, il n'y a pas uniquement ça qui est étonnant, c'est le fait que l'appareil non identifié ait choisi brusquement de descendre à très basse altitude, c'est comme s'il connaissait exactement ce qu'il fallait faire pour échapper à un avion de chasse. Voilà pour les petits détails. Les approches sceptiques ont d'abord dit que c'était des radars défectueux, ce à quoi il a été répondu que il y a eu des observations visuelles, mais aussi corrélées par des bases radars au sol, et que s'il est vrai qu'il y avait un des deux radars des F-16 qui était défectueux, l'autre les a bien enregistrés. D'autre part, l'armée belge n'aurait pas pris le risque de divulguer ces éléments si elles n'étaient pas sûres de leur véracité. Oui, c'est clair. Et on peut passer à la seconde page, qui sont les interprétations de cette vague belge qui ont été. Il y a eu trois thèses majeures, l'hypothèse psychosociale, l'hypothèse militaire et l'hypothèse extraterrestre. Concernant l'hypothèse psychosociale, de base, on va dire, elle considère généralement que les vagues ovnis ou de cette façon sont dues à des confusions, des hallucinations, des contagions par les médias ou des problèmes psychologiques. Donc, en gros, que ça n'a pas de réalité, que c'est des phénomènes qui sont uniquement mentaux. Pour répondre à cette question, bon, en fin de compte, c'est relativement simple, on regarde les indices de fiabilité. Et dans cette vague, on a des témoignages massifs, plus de 2000, mais en fin de compte, les enquêteurs disent qu'il y a des gens qui ont refusé de témoigner, ils estiment qu'il y a au moins 5000 témoins. Et en allant dedans, dans ces témoignages, on s'aperçoit assez rapidement qu'ils sont crédibles, parce que c'est des personnes qui n'ont aucune raison d'aller inventer des canulars. Il y en a certaines qui tiennent des positions sociales élevées et donc qui n'ont pas intérêt à aller raconter des histoires. On a des témoins groupés, même sur une zone, parfois ça dépasse la centaine. Certaines soirées, il y avait jusqu'à une quinzaine d'observations dans toute la Belgique. On a des signalements par des agents de police de la loi, militaires, policiers et groupés. Alors, un militaire ou un policier peut toujours commettre une erreur d'observation. Mais là, on notera qu'ils sont groupés. Et d'autre part, c'est des personnes qui sont assermentées.
et donc elles sont astreintes à déclarer les faits tels qu'elles les observent. On a eu des observations précises parce qu'il y avait des vols à basse altitude, ce qui était une particularité de cette vague. Ces triangles volaient parfois au ras des maisons. Et enfin, il a été reproché à l'hypothèse psychosociale beaucoup de choses. Quand elle dit qu'il y a une que c'est une contagion psychosociale, que c'est dû au fait que les faits ont été, c'est à cause de la raison que les faits ont été médiatisés, on pourrait signaler qu'il y a eu un démarrage intense, puisque 140 témoins en novembre 89 l'ont signalé. Donc là, il n'y a pas d'affluence médiatique, puisque les faits sont brusquement sortis de nulle part. L'hypothèse psychosociale a tendance à inverser la causalité des faits. C'est-à-dire que quand elle dit qu'il y a une contagion médiatique, il y a peut-être une question préalable à se poser, c'est pourquoi est-ce que les médias parlent d'OVNI ? Et s'ils parlent d'OVNI, c'est tout simplement parce qu'il y a des journalistes qui sont assis sur le terrain et qui ont interrogé les témoins et ils relatent les faits. En général, les journaux n'ont pas intérêt à publier de fausses informations parce qu'ils pourraient être pris à partie par les lecteurs. Ensuite, quand l'hypothèse psychosociale dit que qu'il y a une contagion par la médiatisation, c'est une hypothèse qui est peu valorisante pour l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'elle voudrait signifier qu'il y a des personnes qui ne prennent pas le recul face à un article de journal ou en regardant la télévision, qui perdent le contact avec la réalité et que cela entraîne des hallucinations. On remarquera qu'il n'y a aucune étude, souvent c'est des assertions qui sont lancées, mais qu'il n'y a aucune étude psychosociale qui démontre par A plus B et avec des faits avérés ce genre d'allégations. Voilà pourquoi l'influence psychologique des médias n'a jamais été démontrée. Ensuite, concernant la photo canular du petit rochin, donc les canulars sont rares en ufologie, surtout quand il s'agit de faire une déposition et que les auteurs sont connus. Quand c'est sur Internet et que c'est anonyme, c'est autre chose. Mais quand on essaie de faire une déposition, ils sont rares. Parmi ceux connus pendant la vague belge, j'ai eu celui-ci. Une personne qui, d'après ses déclarations, a pris un morceau de frigolite, quelques lampes, qui a suspendu cette maquette et qui a pris des photos. Au départ, c'était juste pour faire rire ses collègues ou pour les étonner, et elle aurait été dépassée par son canular, et il a réussi à tromper quelques scientifiques avec ça, qui ont pensé que c'était un réel objet volant. C'est toujours pas bien élucidé, parce qu'il y a eu des reconstitutions, on n'arrive pas très bien à obtenir les mêmes lumières. Quoi qu'il en soit, ce canular n'a pas pu provoquer une vague psychosociologique puisqu'il a été diffusé pour la première fois que 6 mois après le début des faits en novembre 1989. Oui. Voilà pour toutes les critiques qui ont été adressées à l'hypothèse psychosociale. Et d'ailleurs, il convient de signaler que l'hypothèse psychosociale, quand elle prétend être un facteur d'explication dans les grandes vagues d'observation d'OVNI, elle est toujours très critiquée et cette vague belge a marqué son déclin parce que même s'il avait elle était affirmée par certains personnages qui passaient dans les médias avec une certaine force dans les années 50-70, elle a commencé à décliner peu à peu pour des questions tout simplement de crédibilité, d'incohérence entre ces phénomènes qu'elle juge complètement irrationnel ou issu de vision et puis la réalité des faits. Parmi les petits détails, des automobilistes ont dit qu'ils avaient fait des appels de phare en direction de ces triangles et qu'ils avaient reçu des réponses, des lumières qui clignotaient exactement, qui reflétaient exactement le même nombre de phares, le même nombre d'appels de phare. Bon, c'est une anecdote qui s'est vue aussi dans la vague de l'Hudson River en 1983-1985. Et pour l'anecdote, ces objets semblaient faire des demi-tours aux frontières. Dès qu'ils approchaient des frontières françaises ou allemandes, ils faisaient demi-tour. Et là, on a du mal à comprendre. Parce que s'il s'agit d'un engin secret ou d'un engin venant d'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils respectent les frontières. Des aliens, des engins secrets, aucune raison de le faire. Mais bon. Justement, je prends un commentaire de Seb que j'ai sous les yeux,
qui nous dit, alors attends, j'enlève le petit partage d'écran juste une seconde, donc qui nous dit « Vague belge comme Tchernobyl, alors les ovnis s'arrêtent à nos frontières car ils ont peur de nos super avions, surtout dans les années 90, pipo. Ou alors, ils ne sont pas tous d'origine extraterrestre et dans ce cas, ils respectent l'espace aérien. » Voilà. Donc oui, justement, c'est le reproche que fait Seb à cette vague belge qui se serait arrêtée, semble-t-il, juste sur le territoire belge. Oui, en précisant qu'il y aurait eu quand même quelques petites incursions en Allemagne ou en France. Mais globalement, effectivement, il y avait c'est très curieux. Alors, ça fait partie du mode opératoire OVNI. Est-ce qu'il y a un message à en tirer? On notera qu'à chaque fois qu'il y a une vague, une grande vague OVNI, il y a un mode opératoire changeant. En 1947 à 1954, ça a commencé sur un pays. Après, c'est étalé partout dans le monde. Concernant la vague de 1965, on remarquera que ça commence dans un pays éloigné, puis après que ça remonte progressivement. En gros, ça fait tout le tour de l'Amérique, du continent américain, du sud au nord. Et là, on a une vague qui est strictement contingentée à un pays pendant 2 ans. Pourquoi ? On trouvera peut-être des explications à la fin quand on fera la synthèse. Très bien, merci beaucoup. Voilà, je retourne sur le partage d'écran. Désolée, j'avais pile la question sous les yeux. Je me dis, tiens, ça tombe pile poil. Toi aussi, tu faisais la remarque. C'est ça, comme tu étais en train de faire la remarque. Apparemment, ils s'arrêtent aux frontières eux aussi. Donc voilà, c'est la même remarque que Seb. Donc, merci Seb pour ton partage. Oui, surtout le gag en 1986 quand un scientifique était venu nous dire que les nuages s'arrêtaient, le nuage de Tchernobyl s'arrêtait. Oui. C'est vrai. Oh. Dans les hypothèses militaires, il a été souvent dit que ça pouvait être des... Il a été dit que, souvent que c'était des hélicoptères militaires. Et l'armée belge a répondu à cette question directement. Elle a dit effectivement qu'on a des Puma SA-330, mais on en connaît parfaitement les plans de vol, ce qui est logique parce qu'on ne peut pas sortir un hélicoptère d'une caserne comme ça. Les horaires de sortie sont signalés, ainsi que celles de rentrée, ainsi que le trajet. On notera qu'un hélicoptère n'a pas une forme triangulaire. Des spécialistes disent qu'il y a des positions différentes. Dans toutes ces observations de triangle volant, il n'est jamais question de pales. Hein, à ma connaissance, tous les hélicoptères en ont. Ils émettent des sons caractéristiques et très facilement reconnaissables qui n'ont pas non plus été signalés. Et les accélérations fulgurantes sont impossibles. Ce à quoi, quand on a dit à certains auteurs sceptiques qu'il pouvait pas s'agir d'engins militaires belges, ils ont dit que dans ce cas-là, ça pouvait être des civils. Mais on en revient aux mêmes objections listées ici. Des auteurs ont dit qu'il pouvait s'agir du drone Love Flight. Bon, je m'étonne que cette piste n'ait pas été coupée tout de suite, puisque son premier vol, d'après ce qui figure sur le site de la NASA, était en 1996. Donc, d'accord, plusieurs années après les faits. Il ne pouvait pas être impliqué. OK. Et en général, quand on dit qu'un prototype militaire est responsable d'une vague d'OVNI, les deux premières choses qui me semblent importantes à vérifier, c'est la date de mise en service de l'engin et ses performances techniques. Et ce n'est pas des données très difficiles à obtenir. Et ça nous permet de répondre directement à la question. Une autre hypothèse qui a, à ma connaissance, pas été citée, mais je l'ai rajoutée pour faire le tour, c'est la V8 Tiaria. Il existait à cette époque, depuis les années 1966, des avions capables de faire du vol stationnaire, comme celui-ci, comme les arrières, et aussi les Yakovlev russes à partir des années 1970. Donc, si vous voulez en voir, pour aller chercher avec les mots-clés vol stationnaire et arrière sur Internet, vous trouverez des vidéos impressionnantes où on voit ces avions faire du surplace. Par contre, c'est extrêmement bruyant. Donc, ce n'est pas impossible de faire ça dans le silence. Et ça, ils ne peuvent pas le faire longtemps parce que ça surconsomme du carburant. Et accessoirement, comme on peut le voir sur la photo, il y a des éjections de gaz. Qui peut être signé par les témoins. Donc, et c'est pas le cas. C'est pas le cas. En fin de compte, le candidat le plus sérieux a été le Lockheed F-117 Nighthawk, qui est un bombardier furtif américain. Alors lui, au moins, il était déjà mis en service depuis 6 ans.
des journaux ont insisté sur cette hypothèse, mais elle a été réfutée pour une raison technique majeure, c'est que cet appareil ne peut pas voler à moins de 300 km par heure. C'est, il ne peut pas non plus faire du surplace. D'accord. Concernant la thèse, alors après une autre thèse, c'est celle des prototypes révolutionnaires secrets, donc avec une propulsion qui soit totalement différente de ce qu'on connaît, pourquoi pas de la MHD, de la magnéto-hydrodynamique, mais cette hypothèse pose plusieurs problèmes. Déjà, on peut se poser la question, quel est l'intérêt pour un pays? Alors, on pourrait penser à la Russie ou aux États-Unis, qui étaient à l'époque les armées les plus puissantes au monde, surtout les États-Unis. Quel serait l'intérêt pour un pays de venir essayer ces prototypes chez le voisin? En fin de compte, il n'y a que des désavantages et des ennuis potentiels. Le premier, c'est qu'un appareil secret peut être pris en photo. C'est des photos qui peuvent être diffusées et donner des indices à d'éventuels pays amis ou ennemis sur les technologies utilisées. Si cet appareil tombe en panne ou qu'il se crache dans un territoire étranger, on ne peut pas le récupérer. Et je pourrais citer un exemple dans l'histoire où les Américains se sont mordus les doigts avec un F-117. C'était en Bosnie, dans des raisons plus ou moins mal élucidées. Peut-être c'était un F-117 qui prenait tout le temps le même couloir aérien. En tout cas, il s'est fait descendre et il s'est crashé. Les pilotes se sont éjectés, mais l'épave a été filmée par la télévision yougoslave. Et tout de suite, toutes les armées en place se sont précipitées sur le lieu du crash. Et les Américains, tous sous pression, ils ont dû mener une opération commando en extrême urgence pour aller récupérer les pilotes. Mais ce n'était pas la fin des ennuis. C'est-à-dire que dès les jours suivants, bizarrement, il y avait des Russes et des Chinois, qui se promenaient autour des fermes et qui demandaient aux agriculteurs s'ils n'avaient pas récupéré des morceaux, des débris, et qui les rachetaient à prix d'or. Et comme par hasard, quelques années après, les Chinois sortent un nouvel appareil fugitif, le Chengdu J-20, qui ressemble étrangement à F-117. Donc, tout semble dire, d'après certains analystes militaires, que les morceaux de débris récupérés en Bosnie à cette époque-là ont servi à recopier la technologie. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre un avion en territoire ami ou ennemi. Le manque de crédibilité de cette thèse, d'autant plus qu'il y a d'autres risques. Il y a certaines armées, si elles voient un objet volant non identifié, elles tirent dessus. Elles ne se posent pas de questions. Et ensuite, si la thèse américaine, en fin de compte, elle était privilégiée au départ. Et notamment les armées belges, d'après ce qu'ils disent, ils ont appelé l'état-major américain parce que suite aux incidents du 26 novembre 1989, ils pensaient que c'était les Américains. Donc ça a même chauffé dans les états-majors. Les Américains ont dit non, c'est pas nous. On veut le garantir. Et puis après, il y a les risques d'incidents diplomatiques internationaux. Et après, donc, il y a l'hypothèse exogène. Pour finir, on a pensé aussi que c'était pour être des prototypes de type TR-3B, comme cette photo présumée qu'on voit ici, mais il n'y a pas de science ici. Ou sinon, l'hypothèse extraterrestre. L'hypothèse extraterrestre, on se demande quand même à quoi rime ce mode opératoire de venir ponctuellement sur un pays comme ça, pendant 2 ans, pour survoler la campagne. On discerne mal un objectif de cartographie parce qu'au vu de la superficie de la Belgique, en quelques semaines ou quelques jours, ça aurait pu être fait. On a pensé que ça pouvait être lié avec le siège de l'OTAN qui est dans le secteur. Il était pensé que ça pouvait être lié aux autoroutes belges qui sont éclairées la nuit. Et c'est vrai que pour les avoir traversées, c'est assez impressionnant de voir des lampadaires à intervalles réguliers. Et il faut savoir que les autoroutes belges sont visibles depuis l'espace. Donc, est-ce que ça a joué un effet d'attraction? Voilà un peu ce qui a été dit sur la vague belge en résumé. D'accord. Et si effectivement il y a des auditeurs belges qui nous écoutent et qui ont des précisions techniques à apporter, qu'ils n'hésitent pas à le faire, que si on peut en parler ce soir ou sinon on le développera ultérieurement. Merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur nuria.tv sous la vidéo. Franck nous a dit tout à l'heure qu'il allait y jeter un coup d'œil à chaque fin d'émission. Alors, je passe à la suite.
Voilà, c'est bon. Alors, en pleine vague belge, puisque on y est toujours, d'autres événements se sont produits en France et au Canada. En France, ça s'est passé le 5 novembre 90, une vague qui est bien connue, et voilà comment ça a commencé. Alors, les archives de l'époque, c'est les journaux télévisés des chaînes France, enfin, TF1, France 2, France 3, du 5 et du 6 novembre, qui expliquent qu'il y a des triangles volants ou d'autres objets qui ont été vus par des témoins. Et des internautes ont même fait une compilation de tous ces petits extraits de journaux télévisés. Et on s'aperçoit assez rapidement que dans diverses régions de France, des témoins parlent de phénomènes géométriques et intelligents. Donc, c'est des indices suffisants pour creuser davantage. L'explication officielle a été qu'il s'agissait d'une rentrée atmosphérique. Et il est vrai qu'il y a une rentrée atmosphérique, c'est-à-dire que c'est un objet qui rentre dans l'atmosphère qui se désagrège d'une fusée soviétique Proton. Si vous voulez voir à quoi ressemble une rentrée atmosphérique, je vous conseille de regarder celle-ci qui a été filmée par l'Agence spatiale européenne à bord d'un avion. C'est une vidéo avec les mots-clés, vous la retrouverez. Et effectivement, on peut concevoir que c'est assez impressionnant parce qu'on voit des lumières groupées là, qui traversent l'espace, hein, parfois avec des scintillements. Et ça peut être effectivement troublant. J'en ai vu une hier soir, tiens. Ah j'étais oui? sur mon balcon et après la conférence qu'on a fait, après le cours par vidéo avec Howard Crowers, je vais sur mon balcon et je vois exactement ça, enfin, dans l'autre sens d'ailleurs. Mais effectivement, ça faisait vraiment rentrée atmosphérique avec les petits morceaux, tout ça. Donc, si quelqu'un a vu ça, je suis à Saint-Étienne. Hein, donc, s'il y en a d'autres, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Oui, pas de comportement intelligent, de mouvement suspect. Rien, non, bah, tu m'étonnes, hein, forcément. J'avais la bonnette pas loin, mais pas le temps d'aller la chercher ni rien. Et ça faisait vraiment ce phénomène-là. Donc, j'étais vraiment dans une rentrée atmosphérique étrange, enfin, pas étrange, mais classique, avec les petits morceaux, les débris, le côté rouge, quelque chose qui vraiment a cramé en l'air et est parti en petits morceaux. C'était tout à fait ça. C'était hier soir vers, ben, du coup, 23h, je pense. On avait fini assez tard, 22h30, 23h. Donc voilà, mais ce phénomène-là, hein, vraiment, pas de virage à 90 degrés, pas de lumière, pas de clignotement, pas de rien d'autre qu'une rentrée atmosphérique classique. Voilà. Et pas non plus comment on appelle ça? Tu sais, les étoiles filantes, hein, beaucoup trop proches, beaucoup Ah trop. oui. Et puis avec la petite explosion à la fin de couleur, là, c'était vraiment ça. Donc voilà, mon petit témoignage personnel. Je t'en prie. Et donc, les associations ufologiques dont je parlais du travail de terrain tout à l'heure se sont distinguées parce qu'elles ont fait des enquêtes de terrain qui ont amené de tout autre témoignage, notamment Lumière dans la nuit. Donc, j'ai mis les références des magazines qui a synthétisé les témoignages de l'époque si vous voulez y regarder de plus près, numéro 359 et 360. Qui a par exemple fait récolter ses croquis de témoins. Alors ici, on en a un dans la Marne, un rapport d'un militaire entouré de 15 témoins qui décrit une espèce de forme géométrique avec ce qui pourrait s'apparenter à des fusées ou un système de propulsion. Dans l'Essonne, dans le Loiret, dans la Seine-et-Marne. Et là, c'est vraiment quelques exemples choisis. Parmi les pilotes dont je parlais tout à l'heure, la chaîne numéro 23 fait il y a quelques jours une émission sur la vague du 5 novembre 90. Elle a parlé du témoignage du pilote Jean-Gabriel Grélet, qui lui décrivait une sorte de forme comme ça, un peu trapézoïdale. Il y a eu plusieurs centaines de témoignages, certains parlent même de milliers en France, mais ce qui est très curieux, c'est la forme de ces engins, parce que pour certains, elle est énorme. Certains disent qu'il y avait des projecteurs. C'est des détails qui sont quand même gigantesques, avec des formes très variées. Et si on fait la particularité de cette vague, c'est que c'est pour être la plus courte de l'histoire. Parce que d'après ce que j'ai pu voir dans les témoignages que j'ai pu consulter, c'est qu'ils se produisaient tous vers 19h. Donc, c'est un point à vérifier là-dessus. Mais ça aurait duré, en fin de compte, l'effet n'aurait duré que moins d'une heure, voire peut-être même qu'un quart d'heure,
une demi-heure sur toute la France. Si on en fait les grandes lignes, on a la fugacité, donc la multiplicité, parce que les observations de ces engins ont été faites à de multiples endroits et en même temps, ce qui signifie qu'il y avait divers opérateurs qui existaient en même temps. Ce qui est très étonnant, c'est la diversité, parce que on a des vaisseaux en forme de cercle, de triangle, de soucoupe, des engins géants en forme de cigare. Il y a aussi des lumières qui se transforment en engins. Enfin, c'est très, très spécial, très space. Un phénomène de mimétisme, puisque quand on regarde cette rentrée atmosphérique, elle paraît classique et tout à fait normale. On peut y voir une forme longiligne avec de multiples couleurs qui peut rappeler celle de l'aéronef géant qu'on voit parfois là. Alors, est-ce que donc il y a toujours, c'est pour ça que c'est un sujet qui est très bataillé. Il y en a qui pensent que c'est juste une rentrée atmosphérique, mais d'autres qui ne sont pas du tout d'accord avec cette hypothèse au vu de la multiplicité, de la crédibilité des témoignages. Et sinon, on pourrait s'étonner donc, de ce mimétisme, comme si une sorte d'intelligence avait reproduit les codes visuels d'une rentrée atmosphérique pour s'infiltrer, mais pour faire quoi, puisque après, il semble avoir disparu. Et sinon, une anomalie dans le comportement qui consiste dans un premier temps à vouloir être plus ou moins discret en essayant de faire du mimétisme, mais qui cherche volontairement à se voir, puisqu'elle apparaît avec des vaisseaux géants à la vue de témoins parfois groupés. Et donc, on voit ici un antagonisme dans le comportement qu'on retrouve dans d'autres vagues aussi. Et deux jours plus tard, et bien c'est au Canada, cette fois-ci, à Montréal, qu'un nouveau phénomène aérien se produit. On signalera qu'il y a plus de 5000 km entre la France et Montréal. Un phénomène aérien lumineux géant observé par quelques dizaines de témoins pendant 3 heures et dont voici les photos qui ont été prises ici. Les hypothèses sceptiques sont parties d'abord sur celle d'une confusion avec la lumière d'une grue, mais ce qui est impossible puisque l'hypothèse minimale de hauteur c'est 900 mètres et les grues ne vont pas à cette hauteur-là. Et ensuite d'un phénomène naturel, un phénomène naturel comme une réflexion lumineuse sur les nuages, par exemple. Mais ce n'est pas des thèses qui ont convaincu, puisque la Gendarmerie royale du Canada, elle, a plutôt fait l'hypothèse d'un engin volant d'environ 450 mètres de long et volant entre 900 et 2300 mètres. On signalera toujours que le record mondial officiel pour un aéronef est de 100 mètres de long. Donc là, il est 4 fois plus grand, si c'est bien ça. Et qu'il y avait effectivement des policiers et des gendarmes dans l'assistance. Il y a notre analyse, Details surrounding a large stationary object above Montreal. Donc, deux auteurs qui ont récolté les témoignages et notamment les croquis des personnes qu'ils avaient observées et qui aussi ont déduit à l'hypothèse d'un objet géant. Voilà ce qui a été dit un peu sur ce cas. S'il y a des internautes canadiens, effectivement, ils peuvent nous dire, nous préciser comment ça a été perçu peut-être dans les médias de cette époque-là. Est-ce que les masses médias en parlaient? S'il y avait des éléments techniques à ajouter? C'est vrai. Il y a notamment un petit commentaire donc, sur la page Facebook, parce que du coup, je fais un peu les deux. Donc, Seb, c'est bon. Seb Nav, c'est bon. Hein, je les vois bien, tes commentaires sur le site officiel. Et Gilles qui nous donnait son témoignage. Donc, témoin début 90 avec ma mère et ma tante dans le sud de l'Ardèche. 2 triangles, 3 sources lumineuses à chaque point. 2 appareils se suivent ou reliés entre eux car l'espace entre les deux couvrait les étoiles. 4 à 5 minutes de vol lent et silencieux, puis accélération énorme qui a sorti l'appareil hors de portée de vue en 3 secondes. Signalisation faite à la gendarmerie locale. Voilà. Témoignage de Gilles, donc, qui date des années 90. Et pareil, j'y vais de mon témoignage. Hein, j'ai vu dans les années 90, voilà, donc cette année-là, une boule lumineuse juste devant ma fenêtre. J'ai vu quelqu'un aussi avait parlé de boule lumineuse tout à l'heure, donc ouais, ça a été très animé un petit peu partout, donc on parle de cette grosse vague dans les années 90, donc en Belgique, mais effectivement, il y a eu plein de phénomènes un peu partout dans le monde, mais voilà, c'est juste une centralisation qu'on note, qu'on remarque en Belgique plus qu'ailleurs. Merci beaucoup Gilles pour ton témoignage. Voilà. Et concernant ces affaires d'étoiles, il est vrai que des fois, les témoins disent que l'objet était
est tellement grand qu'on ne voit plus le ciel, ou qu'on ne voit plus les étoiles. Exactement. Oui. C'est assez impressionnant. Je suis en train de caler sur l'image d'après. Ok, on avance bien, on avance bien. Est-ce que tu veux quelques petites questions ou est-ce qu'on poursuit? Oui, on peut en prendre une ou deux et puis Une ou prendre deux et le après on max. poursuit. Je te les Ouais. prends au hasard. Ok. Alors, je m'arrête sur Seb, Seb Navo, là, j'en parlais, qui nous dit « Bonsoir Nora et Franck, en 1999, nous avons été témoins d'un passage de boue lumineuse prenant la direction du nord-est, un lien avec la vague belge. » Et ben voilà, tu vois, on a été nombreux hein, pour En cette boue lumineuse. 1999? Bah là, on est. Si c'est 1999, c'est 10 ans après les faits. C'est ça. Donc voilà, ça fait partie des phénomènes qu'on peut voir de façon sporadique un peu partout. Autre question, alors une question de Vito qui nous dit « La Belgique n'est pas le seul pays à avoir eu une vague d'OVNI à cette époque, le Luxembourg aussi. Personnellement, j'ai été témoin il y a un an. J'ai vu un OVNI au-dessus d'une usine Arcelor à Differdange. J'ai vu un OVNI avec trois lumières blanches s'éloigner doucement vers le ciel sans bruit. Une chose incroyable, personne ne m'a cru. » Difficile à croire, même ce qu'on disait tout à l'heure, même quand on est témoin soi-même, c'est toujours difficile à croire. On finit par l'accepter au bout d'un moment. Mais voilà. Quand on dit personne ne m'a cru, si vous avez des témoignages, effectivement, il y a des gens qui pourraient être sceptiques ou non, ce n'est pas un sujet qui est prisé dans le grand public, mais pour aller voir les associations ufologiques, elles vous écouteront. Moi, j'ai vu une trentaine de témoins qui m'ont parlé d'observations d'OVNI. Soit c'est venu naturellement dans la discussion, soit ils savaient que je m'intéressais à l'ufologie, ou soit quand je vais des salons, il y a toujours quelqu'un qui vient me parler d'observation. Je peux vous dire que c'est du pain de dés bien tranché. Parce que c'est des gens qui viennent me parler de triangles, de sphères, de cylindres en vol stationnaire, de formations, d'ovnis géants. Enfin, il y en a tout un lot, et tous me paraissent très sincères. Je vois aucune contradiction dans leur témoignage. Et le point commun, c'est que quand ces gens me parlent, ils ne le savent peut-être pas, mais parce que moi, je suis habitué à les comparer avec les performances aéronautiques, mais ils me parlent de performances et de tailles qui battent des records mondiaux. Et quand je leur demande, est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez fait une déclaration? En fin de compte, il y a à peine deux ou trois personnes qui l'ont fait. Mais ce que je conseillerais, c'est que pour ces observations, tant que c'est encore chaud, c'est tout noter sur un papier, avec l'heure, le croquis, la position de la Lune, parce qu'il y a certains sceptiques qui disent que c'est confié à la Lune. Alors comme ça, au moins, ça coupera l'herbe sous le pied avant qu'elle soit formulée. Les conditions, la visibilité, le mouvement de l'objet. Et puis après, vous pourrez décider ou non d'en parler. Mais au moins, tout Répertorieux. sera écrit. Merci. Et dernière question avant de passer à la suite et de reprendre les autres questions. Clément qui nous dit bonsoir à tous. Différentes formes, différentes technologies, évolutions technologiques et ou différentes civilisations extraterrestres et ou extradimensionnelles. Quel est l'avis de votre invité? Excellente soirée comme toujours. Merci. Merci beaucoup. Alors, ton avis? Ouais, effectivement, il y a quelque chose qui cloche quand on regarde ces grandes vagues, c'est la diversité des formes. Et dès la vague de 1947, dès le début, c'était le cas. On n'est pas uniquement des soucoupes volantes. On avait des disques, des toupies, on avait des rectangles, des cigares, des sphères, enfin tout ce qu'on veut, même si la soucoupe était à peu près 40% 45% des observations. Et tout de suite, ça pose une question. Qu'il s'agisse d'engins militaires, terriens ou venant d'ailleurs, on imagine mal une telle armada si disparate, quoi. Surtout de taille, parce que de taille, on en a qui sont inférieurs à un mètre et d'autres qui peuvent dépasser le kilomètre. Et donc, ça a entraîné différentes hypothèses, dont la principale est de dire que la taille observée ne correspond pas forcément à la réalité. C'est-à-dire qu'il y aurait un moyen de faire une illusion géographique. Donc, enfin, alors, je vais parler de l'holographie tout à l'heure, et c'est dans la deuxième hypothèse, effectivement, que ce soit une technique interdimensionnelle qui puisse modifier la forme de l'objet ou créer une illusion ou d'ordre quantique, comme certains auteurs le pensaient. D'accord, merci beaucoup. On enchaîne sur la suite. Donc, voilà, encore un petit dossier assez complet. Interaction physique, électrique, électronique, radioactive.
Alors effectivement, dans des cas d'OVNI, on a des interférences avec le matériel électrique, le matériel électronique, on a des traces radioactives ou des traces physiques, que ce soit sur des animaux, des humains ou au sol. Parmi cette longue liste, j'ai juste pris quelques cas pour les illustrer. Un des cas les plus connus et qui figure dans le rapport Cometa est celui de l'incident de Téhéran en 1976, en Iran, où la tour de contrôle de l'aéroport de la capitale reçoit plusieurs appels signalant un objet lumineux immobile. Et le responsable de l'équipe de nuit fait une observation jumelle. Donc pour ça, on peut descendre sur le dessin d'Hossein Pirouzi, en dessous, qui nous montre ce qu'il a observé. Donc une espèce de cylindre qui changeait de forme, qui disparaissait et qui réapparaissait au loin, quelques kilomètres plus loin parfois même, à des grandes distances et quasiment instantanément. Bon, on va dire que ça commence fort. Donc le général Youssefi observe l'objet, lui aussi, et décide de faire envoyer un avion fantôme F-4. Arrivé à 45 kilomètres de l'objet, ses instruments de vol dysfonctionnent. Il ne peut plus s'approcher. Donc un second est envoyé. Et ici, on va avoir une caractéristique qu'on voit souvent dans les poursuites d'OVNI, c'est-à-dire que l'OVNI va maintenir un écart constant, là toujours de 45 km, et un objet va sortir de cet OVNI pour se diriger vers la F4. Le pilote va tenter de tirer un missile, mais tout son système va devenir inopérant, et donc il est obligé de s'écarter. Il a signalé que l'objet qui sortait était assez intimidant. Le second objet va poursuivre l'avion, et va réintégrer après l'objet principal, un nouvel objet sort, se pose et répand une lumière. Voilà un peu la synthèse de ce cas. Il était remarqué par un rapport américain qui va signaler que c'est un cas remarquable pour diverses raisons. Donc des témoins multiples, crédibilité haute puisqu'on a des membres de l'armée de l'air et un général. Observation visuelle et radar, effet électromagnétique constaté par différents équipages, parce qu'effectivement, il y a aussi un équipage civil pas très loin qui a confirmé l'effet, et un degré de extraordinaire de manœuvrabilité. Et les Américains s'intéressaient beaucoup à ce cas, parce que effectivement, si une technologie permet de faire dysfonctionner un avion à 45 km, ça pourrait être très utile en cas de conflit. Et c'est pour ça qu'ils ont fait un rapport. Mais on peut aussi se demander qu'est-ce que fait un rapport américain si précis. C'est parce qu'à l'époque, de mémoire, c'était le Shah d'Iran, les rapports entre les US et les Iraniens étaient très bons. À l'arrivée de Khomeini, ça a changé. Mais voilà pourquoi ils avaient des membres sur place voilà pourquoi ils ont pu obtenir toutes ces informations. Un cas d'interférence radioactive, c'est celui de l'affaire Cachelon-Droom. Donc, en fin de compte, c'est trois personnes qui circulaient en voiture en 1980 dans le Texas, quand tout d'un coup, ils ont vu l'objet donc, qui est décrit en haut dans leur croquis, un objet, on va dire, en forme de losange et avec un apparent système de propulsion ou des flammes qui s'est posé sur la route. Alors, les témoins sont sortis du véhicule, mais comme ils sentaient quelque chose de pas normal et surtout une très forte chaleur, ils sont revenus tout de suite. Sauf Betty Cash, qui est restée, qui a essayé de s'approcher de l'OVNI. À signaler... Je vous invite d'ailleurs à taper Betty Cash, justement. Juste avec ce nom-là, vous allez retrouver un documentaire avec le témoignage. Je ne sais plus si c'est elle qui témoigne ou si c'est une reconstitution. Il me semble que c'est une reconstitution de toute l'histoire, mais c'est super intriguant comme cas. Il y en a eu plein de reconstitutions sur ce cas, avec des représentations plus ou moins imagées. Mais en tout cas... effectivement. Alors, ce qui a été remarqué dans ce cas, c'est qu'elle a bien été irradiée. Donc, il y a le certificat médical ici. Bon, j'ai pas mis les photos, hein, mais on a des photos de Betty Cash où on la voit perdre ses cheveux ou avec les bras passablement attaqués. Donc, il y a eu un procès contre l'US Air Force parce qu'au départ, ils pensaient que c'était un ovni militaire. Et donc, comme on le voit là sur le croquis, ils disaient qu'il y avait 23 avions des types Chinook. Qui suivait cet appareil, ce qui est très curieux. Quoi. Un ovni qui est suivi par une telle flotte d'hélicoptères et donc qui pensait que
soit c'était un objet étranger, donc alien, qui s'était introduit sur le territoire et qui était poursuivi par l'armée. Et la deuxième thèse, c'était que c'était un drone secret à propulsion nucléaire. C'était, ça, c'est pour répondre à une question d'un auditeur qui m'avait demandé si ça pouvait être le cas. Alors, comment trancher ? Premier indice, on va essayer de voir s'il y a des éléments qui nous font penser que cet objet est inhumain. Au niveau des performances, je ne vois rien d'anormal puisque c'est juste un objet qui s'est posé sur la route et qui a redécollé. On n'a pas de vitesse extrême, de virage angle droit à pleine vitesse, de choses comme ça. La forme peut paraître étrange parce qu'elle est en losange ou en forme de pyramide ou de diamant, comme on dit certains. Donc là, effectivement, ce n'est pas normal. Mais oui, ça pourrait être un drone secret, un appareil à propulsion nucléaire. Peut-être parce que, pour deux indices, ce qu'il faudrait voir, c'est les hélicoptères qui ont été décrits. Si c'est des hélicoptères d'attaque, on pourrait penser qu'effectivement, là, ça vienne d'ailleurs ou d'un autre pays ou d'une autre planète. Par contre, si c'est des hélicoptères de transport comme celui-ci, un C-47 Chinook, là, on peut plutôt penser qu'ils étaient là pour surveiller ou pour un appareil mal contrôlé ou pour le transporter. Donc, peut-être rechercher de ce côté-là. En tout cas, c'est très rare, extrêmement rare, que des témoins se fassent irradier dans des observations d'OVNI. À ma connaissance, c'est les deux plus grands cas avec celui de Stephen Michalak, donc oui. Au Canada. Qui a gardé les marques sur son abdomen très longtemps. Ah oui. Donc là, je n'ai pas publié les photos aussi parce qu'on le voit sur son lit avec des brûlures. Oui. Et puis, il y a peut-être des... on ne peut pas montrer des images de personnages comme ça. Mais en tout cas, il décrit avoir vu cet appareil en forme de soucoupe. Il s'est approché. Il a essayé de parler avec la personne qui jugeait être à l'intérieur, mais qu'il n'a pas vu. Il pensait que c'était des militaires qui avaient eu un souci et il voulait donner un coup de main à un moment. Tu vois, c'est pour ça qu'il s'est approché. Est-ce que tout va bien, tout ça ? Et en fait, il s'est fait irradier pendant ce moment-là. Il a voulu toucher l'objet, en fin de compte aussi. Il avait un gant. Il a touché l'objet et depuis le gant est un peu une pièce à conviction parce qu'on voit une marque de brûlure, on peut retrouver la photo. Oui, la photo est sur internet de son gant. Ouais. Et accessoirement, il a vraiment des grosses marques de brûlure sur la peau. Alors, des auteurs sceptiques ont même été dire qu'il a été s'irradié lui-même pour faire croire à un cas d'OVNI. C'est ça. En fin de compte, moi, quand je me lève le matin, ce n'est pas la première idée qui me vient en tête d'aller me faire irradier pour essayer de faire croire qu'un ovni a atterri. Hein. Je vais aller couper mon arbre et puis inventer une histoire en même temps et puis me faire irradier avec tout ce qui en découle comme effet secondaire extrêmement désagréable. Donc, c'est un peu poussé, quoi. On n'aimerait pas être à sa place et entendre ce genre d'histoire, ce genre de mensonge. C'est dur quand même. Déjà, voir un ovni, c'est dur. Vivre ce qu'il a vécu, c'est dur. Mais en plus, se prendre des mensonges comme ça par-dessus, c'est pas évident. Oui. Concernant les interactions avec des véhicules et des systèmes électriques, en fin de compte, on a souvent l'image d'un véhicule qui se fait arrêter par un ovni, qui ne peut plus redémarrer, tout ce qui est électrique se coupe. Eh bien, un auteur a fait une liste de ces incidents. Donc, c'est Marc Rodégier dans UFO Report Involving Vehicle Interference, où il étudie 440 cas dans le monde de ces ovnis. Donc, je l'ai feuilleté, il y en a un peu partout, effectivement, dans le monde. Quelques-uns en France, notamment pendant la vague de 54, où on a l'affaire, par exemple, d'un chauffeur qui, dans le camion, s'est fait stopper par un objet volant non identifié. Il y en a bien d'autres. Ça pose des problèmes techniques parce que, déjà, on va signaler que c'était écrit en 1981, donc c'est quand même un peu vieux, mais il y en avait déjà une masse. Parce que dans les années 1990, des auteurs ont essayé de voir si on pouvait utiliser des radiations pour éteindre un moteur. Ils n'y sont pas arrivés. Alors, est-ce que de nos jours, on le peut ? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des armes de type PEP, projectiles électriques pulsés, je crois que c'est ça la définition, qui peuvent stopper un véhicule, mais normalement, ça endommage. Est-ce qu'il est possible de brouiller, d'éteindre une radio, que des effets thermiques, des arrêts d'éclinement, des éclairages ? À ma connaissance, toujours pas. Hein. À distance, en tout cas. Oui.
Alors ça, c'est un dossier technique qui relève de la mécanique automobile. Il y a peut-être un indice qui est lié au fait qu'a priori, les moteurs diesel seraient moins concernés. Donc, si vous pouvez peut-être dire quelque chose au niveau des bougies. Mais bon, techniquement, on ne pourra pas en dire plus maintenant. D'accord. La zone 51. Ah oui, voilà. Alors ça, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Ce qu'on sait, c'est que c'est une zone de test d'aviation et de technologie secrète. Donc, elle est assez grande, 150 mètres carrés dans le Nevada. Et même si c'était un secret de Polichinelle, son existence n'a été officiellement reconnue que dans les années 2010. Alors, si vous voulez en savoir plus, je conseillerais le film Inside Zone 51 de Peter Yoshe, publié en 2011. Et les images que je vous présente ici en sont des extraits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la véritable histoire de la zone 51 avec des archives qui montrent ce que les Américains faisaient. En tout cas, c'est la version officielle. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Que les premiers avions qui ont été fabriqués, testés là-bas, c'était le U-2. Un avion qui pouvait aller très haut, jusqu'à 20 000 mètres. Et donc là, on voit quelques photos. Et en bas à gauche, on voit son système photographique, parce que c'était ça le but du U-2, c'est d'aller voler à très haute altitude pour faire des photos des bases secrètes en Russie, notamment. Donc, effectivement, il l'a fait plusieurs fois. Bah, une fois, il s'est même fait descendre. En mai 1960, il y a eu un incident diplomatique international parce que les Russes avaient descendu un U-2. On ne sait pas trop dans quelles circonstances, mais les Russes ont joué fin sur ce coup-là parce que les pilotes se sont éjectés, ils les avaient capturés et ils n'avaient rien dit. Et ils ont fait un scandale à l'ONU, c'était à l'époque Khrouchtchev, et les États-Unis se sont confondus en mensonges en disant que ce n'était pas un U-2, que ce n'était pas un avion secret, que c'était une confusion avec un vol civil. Et puis, ils ont laissé les Américains parler. Pour le dernier moment, ils ont sorti les deux Les pilotes. deux pilotes. Alors, sinon, on revient sur les déclarations ou pas? Ouais. C'est très malin. Donc, voilà un peu ce qui se faisait à la base. Donc, pour voler une telle altitude, ils faisaient des combinaisons stratosphériques sur mesure. Donc, dans ce documentaire, on voit à peu près comment c'est fait. Le personnel était strictement contrôlé. Donc, ils venaient en général travailler de la semaine depuis Burbank ou Las Vegas. Le travail était très compartimenté. Ils n'avaient pas le droit de parler. Ils n'avaient pas le droit entre les ingénieurs et les pilotes. Et progressivement, ils ont testé d'autres avions, comme le premier avion que j'ai mis furtif, entre guillemets, l'Oxcart, parce que certains radars arrivaient quand même à le repérer. Mais son successeur, le SR-71, était beaucoup plus performant. Au niveau de la désinformation, il s'agissait à l'époque de désinformer les Russes. Donc, c'était une véritable paranoïa parce que on sortait du macartisme, ils voyaient des communistes partout, c'était la guerre froide, l'espionnage. Donc, par exemple, ils utilisaient des faux fourgons comme celui qu'on voit. Enfin, les faux fourgons, c'est-à-dire que la forme de l'espèce de masse là, transportée par le camion ne correspond pas forcément à ce qui est à Ce qu'il y a à l'intérieur. l'intérieur, Ouais. oui, bien vu. Et après, une autre technique, ils savaient en fin de compte à quelle période de la journée passaient les satellites russes. Donc, pour désinformer, ils faisaient des silhouettes en carton comme celles qu'on voit en bas et ils mettaient une source de chaleur. Donc, comme ça. De vrais gamins, en fait. C'est Ouais. des jeux d'enfants. Enfin, c'est... Ouais. Un jeu de plateau mondial. Alors moi, j'ai posé mes pions là. Tu les vois bien? Ils sont comme ça, comme ça. Et en fait, sous terre, il y a d'autres trucs qui passent. Non, mais c'est... Il y avait encore, je ne vais pas tout citer, mais d'autres encore plus tordus. Bon, c'était la désinformation, les Russes faisaient la même chose aussi. Oui, Oui. donc... Alors après, ils ont réussi à piquer un MiG-21 en russe parce que le MiG-21 à l'époque était, d'après ce que je sais, était techniquement supérieur et donc ils voulaient absolument récupérer un. Ils ont soudoyé un agent, un pilote. Ils ont récupéré, c'est l'opération Havdenuts. Et ils l'ont étudié, ils l'ont décortiqué, ils ont analysé ses points faibles et ça leur a été utile après. Voilà un peu pour la version officielle. À la fin du reportage, les agents techniques disent, et m'a fait un peu de désinformation. Par exemple, ils disent que le U-2 était responsable de 50% des observations d'OVNI, ce qui est
techniquement impossible, puisqu'il a volé pour la première fois qu'en 1955 et que les grandes vagues avaient déjà eu lieu entre 1947 et 1954. Et ensuite, des ufologues ont étudié les plages horaires de vol de ces engins. Et ensuite, on a vu qu'il a été rapidement, et même si c'était brillant au départ et qu'il reflétait la lumière du soleil, il était rapidement repeint avec des couleurs sombres. Et donc, il ne pouvait pas être impliqué dans toutes les observations de l'OVNI de l'époque. Mais ça, c'est une désinformation de type classique. Ensuite, il a été dit, il était observé des objets volants atypiques à proximité de la zone 51. Oui, c'est vrai, des ufologues, des enquêteurs se sont approchés en profitant des montagnes qui étaient autour, en se cachant. Ils ont réussi à filmer parfois quelques objets sphériques étranges à proximité de la zone, ce qui a alimenté des rumeurs parce que il a été donc supposé que des rétro-ingénieries extraterrestres étaient testés sur cette base. Mais la thèse repose que sur du déclaratif, et notamment celui de Bob Lazar, qui disait avoir travaillé sur des technologies aliens dans le secteur SE4 de Gros Molecule, et Philippe Corso, dans son livre The Day After Roswell, qui dit qu'effectivement, Roswell en 1947, c'était bien un crash extraterrestre, qu'on a récupéré des technologies, et ensuite qu'on a fait la rétro-ingénierie dessus, qui sera à l'origine de tout le développement scientifique des années 50, comme les ordinateurs, par exemple le laser et d'autres. Alors, ces auteurs et leurs affirmations ont été très contestées parce qu'ils n'affirment pas de preuves et qu'il y a parfois quelques incohérences. Certains même sont allés plus loin en disant qu'il y avait un pacte entre le gouvernement américain et des races extraterrestres à partir de 1955, selon les mythes. Mais ça repose que sur des déclarations très contestées, ou alors des militaires comme Milton Cooper, comme Michael Wolff, un médecin qui disait qu'il avait vu des aliens ou des grands blancs sur des bases, ou d'autres. Il y en a toute une série de personnes comme ça qui affirment, mais c'est invérifiable. En fait, comme n'importe quel militaire pourrait affirmer ça. Donc il y a trois possibilités. Soit c'est effectivement une vérité, et donc, mais tout repose sur Roswell. Si effectivement Roswell est un crash extraterrestre, bon, on peut supposer qu'il y a eu des rétro-ingénieries après, peut-être dans la zone 51, ou peut-être dans d'autres bases qui sont aussi suspectes, de type Wright-Patterson ou Dulce, ou des ufologues enquêtent parfois. Ou alors ces gens qui affirment qu'il y a de la rétro-ingénierie, c'est tout simplement des mythomanes, ou des gens qui inventent des histoires pour on ne sait quelle raison. Mais ça pourrait être aussi de la désinformation, parce qu'effectivement, dans des cercles ufologiques américains, on s'est étonné de gens qui donnaient des déclarations très précises sur ce qui se passait dans la zone 51 ou ailleurs, et puis qui tout d'un coup commençaient à tenir des propos complètement irréels, peu crédibles, et on s'est demandé si ce n'étaient pas des agents qui avaient été envoyés pour désinformer. Voilà un peu l'esprit qui règne sur la base 51. Toutes les spéculations, mais il se peut aussi que la base 51 soit juste une sorte de chiffon rouge pour attirer l'attention et que tout pourrait se passer sur d'autres bases. Ah bah oui, parce qu'elle est tellement visible et tellement connue, cette base secrète, entre guillemets, qu'on suppose que, bah oui, effectivement, c'est pas très intelligent d'aller faire des trucs incroyables là-bas, vu à quel point elle est connue. Donc elle pourrait servir un petit peu de leurre, en effet. Allez savoir. Alors la suite, phénomène aérien géant non identifié. Voilà, c'est dans la catégorie des phénomènes géants, des ovnis géants. Le premier en Alaska, lors d'un vol, l'officier japonais Teruchi, quand il reliait Islande à Anchorage, et des membres d'équipage ont dit avoir vu cet objet à gauche. En haut à gauche, on a le rapport de la FAA, qui est l'autorité aérienne, et enfin le croquis qui était fait par Teruchi. Et je ne sais pas si on le voit, mais côté droit de l'OVNI, tout en bas, il y a un petit point noir, voilà, c'est celui-là. Mais en fin de compte, c'est la taille du jumbo jet, un petit peu au-dessus. Voilà. Ah, d'accord, alors attendez. Ça, c'est la taille de l'avion comparée à celle de l'OVNI, d'après le croquis. Voilà, donc attends, je vais récupérer ma petite souris. Voilà. La taille de l'avion, en noir voilà. Ici, et l'OVNI. Le capitaine disait que c'était plus grand qu'un porte-avions, mais ça volait. Impressionnant.
Donc, c'est un cas qui est considéré comme très sérieux parce qu'on a plusieurs témoins. D'autre part, ça a duré quand même un petit moment, pendant une petite demi-heure. Il y a eu un écho radar qui a été capté par le vol directement. Mais après, comme ils n'avaient pas compris ce qui se passait, ils ont appelé la base militaire d'Elmendorf. Souvent, c'est ce qui se passe hein, quand il y a dans des cas d'OVNI, il y a des pilotes, ils appellent la base civile, ils appellent aussi les bases militaires pour avoir une confirmation. Mmh. Et effectivement, il y a eu un rapport radar qui a été confirmé. Donc, ils ont fait leur rapport et tout de suite, ils ont commencé à avoir des ennuis. La FAA avait dit qu'il y avait bien des coups radar. Puis après, ils se sont rétractés. Ils ont dit que c'était des effets météorologiques. Mais ça n'a pas réussi à démonter les affirmations des observateurs. Et sinon, le journaliste Philippe Giclas, qui est un fervent contestateur du phénomène OVNI, à l'époque un journaliste, a dit que c'était une confusion avec Jupiter, Mars, le reflet du clair de lune. Une hypothèse qui a été jugée grotesque parce que, tout d'abord, Mars, Jupiter ou les clairs de lune ne donnent pas de reflet radar. Et puis, il faudrait quand même beaucoup en faire pour que trois pilotes expérimentés puissent confondre ce genre d'engin avec des planètes. C'est sûr. Un deuxième cas au Yukon, au Canada. Là, c'est une trentaine de témoins qui disent avoir observé sur une portion de route qui est mise tout en bas, là, de 340 km, à différents points, un objet volant géant, dont la taille est estimée, selon les témoins, à un minimum de 500 mètres jusqu'à 2000 mètres. Donc ça illustre aussi l'appréciation des distances, surtout de nuit, qui peut varier selon les témoins. Mais si on prend l'hypothèse basse, elle est déjà 5 fois supérieure au record du monde de longueur. Les témoins, Martin Josek, qui était un ingénieur canadien, a fait un rapport dans lequel il a retrouvé une vingtaine de ces témoins et il leur a demandé de décrire ce qu'ils ont vu avec des croquis. Si vous voulez, vous pourrez le télécharger. Vous le trouverez en anglais. Il me semble que c'était traduit en français. Là, on est sur un type de vaisseau mère. Il semblait avoir des projecteurs, pour une caractéristique bien connue du phénomène OVNI. Et il a été dit, pour les hypothèses sceptiques, que c'était une confusion avec la rentrée d'une sonde spatiale russe. Moi, je trouve que c'est quand même bien géométrique, surtout qu'il y a, pour une sonde spatiale, surtout qu'il y a eu plusieurs témoins qui ont décrit des rangées de fenêtres rectangulaires, comme on peut le voir là sur les croquis. Voilà pour ce cas-là. Et le plus connu, c'est celui en haut, c'est celui de Phoenix, le 13 mars 1997. Si. Excuse-moi, je remets, à la bonne taille. C'est toujours compliqué. Voilà. J'étais en train de lire en fait le commentaire de Michel Oberson qui nous dit « Ça y est, j'ai mis la pizza au chaud et engagé la cafetière. Il y en a assez pour la nuit, vous pouvez continuer jusqu'à demain. J'ai déjà préparé les croissants pour le déjeuner. Chouette, non ?» Là, je vous avais prévenu, j'ai posé un post aujourd'hui sur Facebook en disant « Prévoyez la cafetière parce que là, on y va, on va le boucler là. » Donc, ça prendra 4 heures, ça prendra 4 heures. Il n'y en a plus beaucoup là, déjà. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y a plein d'infos par. Oui, oui. Mais de toute façon, c'est tellement technique. Mais on est bien, hein. Et si on veut aborder chaque cas et citer les différentes hypothèses qui ont été faites, parce que je pense que c'est bien d'avoir un bon tour d'horizon, ça prend du temps, il y a des éléments techniques, aucun cas d'OVNI ne ressemble à un autre. Ouais. Nous, tant que tu n'es pas fatigué, on te suit. Oui. On est à fond. Alors, Phoenix, le fameux Phoenix. Qui figure parmi le top 10 ou le top 20 des cas d'OVNI. Alors voilà comment ça s'est passé. À 105 km de Phoenix, il y a des gens qui ont commencé à observer des phénomènes aériens lumineux inexpliqués. À 60 km de Phoenix, donc c'est la deuxième vidéo, film de Thomas King, il filme un objet donc on voit la forme rectangulaire, la forme triangulaire. Et donc, ça va se poursuivre comme ça jusqu'au moment où, vers 22h, il me semble, cet objet massif s'est positionné au-dessus de la ville. Là, il y a eu plusieurs vidéos. Ben, c'est normal hein, quand on va sur une ville, au-dessus d'une ville aussi peuplée. Fatalement, il va y avoir des centaines de témoins. Il y en a 700 qui vont appeler directement les médias, la gendarmerie.
Et vous retrouvez tous ces films sur Internet. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est la taille de l'objet. On peut déjà voir sur la vidéo audio quelque chose de pas normal au niveau de cette taille, puisque quand on imagine à peu près avec la lumière la taille de la ville comparée à celle-ci. Et donc, les témoins disaient cet objet faisait plusieurs fois la taille d'un stade de football. Alors ça, c'est une petite anecdote dans les rubriques ufologiques, c'est que on dirait qu'un stade de football est une unité de mesure internationale, parce que beaucoup de témoins l'utilisent pour dire tel ou tel objet faisait une, deux, trois, quatre ou cinq fois la taille d'un stade. Bon, quoi qu'il en soit, la taille est estimée à 1 mile, c'est-à-dire 1,609 km. Et il est resté à peu près un quart d'heure, puis après les lumières se sont éteintes. Tiens, il y a un point que j'ai remarqué sur ces deux vidéos, il y a un point commun, c'est que vous voyez l'OVNI principal, mais derrière il y a un point qui semble presque à égale distance sur les deux photos. Ça me fait penser alors je ne sais pas si c'est lié à l'engin ou c'est un autre qui le suit. Ça me fait penser aux porte-avions sur Terre qui ne sortent jamais sans escorte, quoi. Ils ont toujours un sous-marin ou des navires de protection derrière. Bon, quoi qu'il en soit, sur le jour même, donc effectivement, les autorités étaient inondées d'appels. Le gouverneur de l'Arizona, Five Sandington, a organisé une conférence de presse dans laquelle il a ironisé sur les faits. Il a fait venir un de ses amis déguisé en alien, là, avec un masque qu'on ne voit pas ici, et des grandes mains, pour dire « on a trouvé le coupable, c'est lui ». Donc, c'était juste pour dédramatiser parce que quelques années plus tard, il est intervenu sur les médias pour dire qu'il avait organisé cette conférence juste pour dédramatiser, pour ne pas paniquer la population. Mais qu'en fin de compte, lui-même, il avait vu l'OVNI, il l'a reconnu. Les sceptiques ont dit que c'était... Enfin, d'abord, les militaires ont dit que c'était... Non, mais tout ceci est faux, Franck. Il y a un moment, il faut dire les choses. Ça n'existe pas. Donc, voilà, des informations classiques. À force de parler d'OVNI, on se doutait bien qu'un jour ou l'autre, ils allaient se manifester. Voilà, directement. On s'occupe de tout, ne vous occupez de rien. Excuse-moi, je repars sur le partage d'écran. Bon, mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé quoi, dans la conférence de Symington. Mise en situation. Et donc, cet objet, les militaires ont dit qu'ils avaient fait un tir de fusée. Et donc, c'était là leur explication pour les lumières observées. Mais ce qui a été vigoureusement contesté pour des raisons de bon sens. Quand on lance des fusées, elles ne sont pas censées parcourir 500 km, puisque c'est la distance sur laquelle l'objet a été observé. Elles ne sont pas censées s'aligner de manière géométrique, comme on peut le voir sur les vidéos. De ne pas émettre des panaches de fumée, comme on peut le voir sur la photo, et elles progressent verticalement, elles chutent, et elles ne se déplacent pas horizontalement et pas en vol stationnaire. Voici l'ensemble des contre-explications. C'est vrai que les militaires qui connaissent bien les flares ont vraiment été morts de rire de voir que cette explication avait été donnée et un peu avalé facilement par les médias, le public, tout ça, sans question, alors qu'ils savent très bien comment les flares tombent et la fumée qui en ressort. Et voilà, c'est pas stationnaire, quoi. Alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on donne des explications absurdes tout simplement parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il faut trouver quelque chose. Il faut trouver même si l'explication est absurde, elle n'est pas crédible, elle n'est pas scientifique, elle ne représente rien. Il faut quand même dire quelque chose pour ne pas paniquer les populations. Et ça a été le cas quand, en 1952, au carrousel de Washington, le Pentagone, la Maison Blanche, et il m'en manque un, là, ça doit être le Congrès, était survolé par des ovnis. Qui se déplaçaient à plus de 10 000 km par heure et qui ont été captés par les radars. Bon, on a dit que c'était des inversions de température, que c'était des taches sur les radars. Alors que c'est strictement impossible puisque des taches radars n'ont pas la même configuration sur deux radars identiques. Or, c'était le cas sur les radars des bases militaires et civiles. Enfin, ça, c'était une aparté. Alors, effectivement, quand on voit des phénomènes aériens géants de cette taille
supérieur à 1 km, on peut se poser des doutes. Est-ce que c'est humainement possible? Non, puisque si on va voir Airbus ou Boeing, qui sont les plus grands constructeurs au monde, et leur demande de, vous pensez que c'est possible de faire un objet d'un mètre de long? Mais je pense que ça les fera surtout rire, parce que on imagine le personnel qu'il faudrait pour assembler des vaisseaux pareils. Il faudrait déjà avoir la capacité de les faire décoller. Ça, j'en doute très fortement, enfin, avec les technologies humaines. Il faudrait les cacher. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins un hangar de la même taille. Il faudrait qu'il n'y ait pas de fuite. Et après, ça, on en voit mal l'intérêt ici. À quoi bon déjà, quand les avions géants, on va dire, entre guillemets, qui font 100 mètres de long, ont du mal parfois à trouver des pistes. C'était le cas pour l'Airbus A380, par exemple. Il y a plusieurs aéroports qui l'avaient refusé au départ. Donc, un avec de TT qui pourrait explorer une piste. C'est-à-dire que quand on voit des formes pareilles, on pense à l'holographie. Et donc, je propose de passer à la slide suivante pour voir les technologies dans ce domaine. Effectivement, si on explore la piste holographique, ça pourrait expliquer beaucoup de choses sur les ovnis. Si on est effectivement capable de le faire, ça expliquerait les changements de forme, la diversité des formes et les ovnis géants. Pour les généralités, bon, c'est un procédé de photographie en relief pour représenter une image en 3D. On remarquera qu'elle a été développée surtout dans les années 70 après l'invention du laser. Donc, théoriquement et officiellement, elle ne peut pas être appliquée dans les cas d'ovnis antérieurs, si on a supposé que ce soit la technique utilisée. Il existe d'autres techniques de projection d'images sur écran ou d'illusion optique qui ressemblent à l'holographie mais qui ne s'en sont pas. Mais dans tous les cas, ça nécessite, et c'est important, une projection et un support. Alors, pour voir déjà la qualité, bon, j'ai pris quelques exemples récents. Alors, Hatsune Miku, chanteuse virtuelle au Japon, c'est une dame qui n'existe pas. Elle est entièrement virtuelle, mais qui a beaucoup de fans, comme on le voit dans ses concerts. Et ici, on a une technique de projection sur dalle de verre, qui est un support classique pour les hologrammes. Dans un deuxième exemple, qui se développe en ce moment dans les défilés de mode, c'est qu'on utilise des projections holographiques comme Ralph Lauren, un concert qui a été remarqué à New York en 2014, puisqu'il a projeté son concert sur un mur d'eau. Une façade, un mur d'eau, c'est une deuxième technique. Dans les deux cas, on remarquera le réalisme des images, parce que le mannequin qu'on voit ici et le pont sont entièrement virtuels. Donc, tout ça pour répondre à la question, est-ce qu'il serait possible de nos jours de faire apparaître une soucoupe dans un champ et des extraterrestres qui en sortent? La réponse est oui, sans aucun problème, et ce sera même d'excellente qualité. La seule contrainte est qu'il faut un support physique qui peut être donc dalle de verre, miroir, façade ou autre. Il a été testé la projection sur aérosol, mais donc ça c'est aérien, mais ça donne de très mauvaises images parce que ça les déforme. Et donc si on revient sur les dossiers d'à côté, la question qui nous intéresse c'est est-ce qu'il est possible de faire des hologrammes aériens? Et c'est que dans l'actualité récente, à partir des années 2010, que certaines expériences ont vu le jour. Alors, par exemple, à l'université d'Osaka, on voit, ils ont réussi à projeter un lapin rose sur du brouillard. Une autre technique qui a été expérimentée en 2015 à Nottingham, au Royaume-Uni, ça a été de projeter l'image d'un cheval au galop sur un nuage. Donc, c'est un artiste combiné avec un scientifique qui a réussi à faire ça. On notera que l'image est très sommaire. Hein. On le voit avancer, mais c'est loin d'être très net. En fin de compte, la question est de savoir est-ce qu'il est réellement possible de projeter dans le ciel un hologramme qui peut se déplacer. Et en fin de compte, la seule société que j'ai pu trouver, c'est Burton Aerial 3D, qui a réussi en 2014 à faire ces petits hologrammes, ce papillon aérien qui se déplace sans aucun support. La technologie utilisée est celle du laser plasma et surtout l'ionisation de l'air. Tiens, ce qui est curieux, c'est qu'on parle encore d'ionisation, qui est un indice qui revient souvent dans les observations d'OVNI. Il faudrait peut-être creuser ce niveau. On le trouve dans l'hypothèse des lumières tronquées, on le retrouve dans la MHD. Il y a des auteurs qui pensent que les changements de couleur pourraient être dus à une ionisation de l'atmosphère. Donc, à développer.
En fin de compte, on signalera que bon, c'est la première fois qu'on fait un hologramme réellement aérien, quoi, en 2014. Hein. Que c'est une technique qui est balbutiante, parce que c'est très léger hein, comme visuel. On voit ce papier qui se déplace, mais c'est loin d'être un ovni high-tech. Hein. Et de part, ici, quand j'ai vu les reportages là-dessus, ils signalent que c'est bruyant. Ça émet un bruit très reconnaissable. Donc, en fin de compte, si la question est est-ce qu'il est possible de créer des ovnis aériens par projection holographique, ben, ça nécessite en premier temps une technologie qui contient en la nécessité du support, un point important, une illusion capable de déplacer sur tout l'espace aérien visible, et actuellement, à part ses débuts de start-up, j'en vois pas. Pour les ovnis géants, il faut stimuler une zone large sans déperdre la qualité d'image. Problème non résolu jusqu'à maintenant. Et enfin, la solution qui permettrait de résoudre tous ces problèmes, c'est d'avoir un aéronef qui soit capable de générer un hologramme qui soit capable de suivre ses déplacements. Et là, ça résout beaucoup d'interrogations, les changements de forme, les objets de taille géante et autres. Mais actuellement, et à ma connaissance, on est strictement incapable. Alors, je ne peux pas assurer une veille technologique sur tous les sujets. Donc, si jamais vous voyez d'autres éléments là-dessus, n'hésitez pas à envoyer les informations. Qu'il s'agisse de vieux dossiers, par exemple, à un moment, il paraît que les Américains pendant la guerre du Vietnam ont essayé de projeter les formes sur les nuages. Si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas. Ou alors des techniques qui permettraient justement de créer des ovnis aériens, mais des ovnis de belle qualité, et que ce soit officiel et documenté. Donc, je ne fais pas allusion au projet Bluebeam qui est très probablement un canular ou un dossier de désinformation au vu des multiples incohérences qui y figurent. On pourra en reparler plus techniquement. Enfin, voilà ce qui pouvait être dit sur la piste holographique. D'accord. On passe au canular. Oui, parce que dans toutes les vagues d'OVNI, évidemment, il y a quelques canulars qui se sont rajoutés. Alors là aussi, on pourrait faire un dossier spécial. En général, j'ai rajouté vague par vague pour voir ceux de l'époque. Mais ça illustre quelques techniques. Photo truquée, alors ça, c'était fait un objet vert, mais on va dire que c'était gentil parce que c'était un coiffeur de Zanesville dont la fille n'arrêtait pas de demander, au vu de tous les ovnis qui apparaissaient dans la presse, « Papa, est-ce que tu pourrais me trouver une photo d'ovni ?» Et donc, pour lui faire plaisir, il a truqué ça avec un objet vert qui, a priori, l'a collé sur une vitre. Alors évidemment, ça a été détecté rapidement parce que notamment les enquêteurs se sont aperçus qu'il y avait différentes photos et elles étaient quasiment identiques alors qu'elles avaient pris une heure de différence. Quoi. Donc ça, c'était un gentil hoax, on va dire. The Great Monkey Hoax, c'est en fin de compte des adolescents qui ont acheté un singe qui l'ont rasé, tué, exposé au bord de la route, et ils ont dit que c'était une soucoupe qui en était responsable. La presse s'est jetée dessus, certains scientifiques n'ont pas vu la supercherie tout de suite, mais après, ils ont confié ça à des experts qui ont vu que c'était bien un cadavre de singe. C'était rapidement écarté, mais ça dure un petit moment. Alors, on peut se demander sur quelles sont les motivations de ces fraudeurs. La première était, ils se doutaient bien que c'était fait faire prendre. Quoi. On ne peut pas prendre un cadavre d'animal, le faire passer pour extraterrestre, même en le peignant, en le rasant, en faisant tout ce qu'on veut. Ils savaient que tout ou tard, ça n'allait pas durer. Mais ce qu'ils voulaient, c'est passer dans les médias. Bon, opération réussie pour le premier, pour le leader, là, celui qui est à gauche. Mais ça lui a joué des tours parce qu'une fois que le canular a été éventré, il a dû quitter la ville à cause des multiples colibés, le fait qu'il était vilipendé, même menacé. Ah oui. Ce qui arrive très souvent d'ailleurs aux auteurs de canulars, en général, ça ne se passe pas très bien pour eux. Mais il faut y réfléchir avant. Ce qu'apprécient surtout pas les gens, c'est qu'on essaye de les empapeluter, de les enfumer. Avec ces histoires-là. Alors, les mystifications Adamski. L'affaire commence dans les années 50 où Georges Adamski prétend rencontrer le Vénusien Horton qui lui dit un message de paix, se dit préoccupé par les essais nucléaires américains.
Et Adamski, assez rapidement, on va trouver des incohérences et des invraisemblances dans ses discours. Il y en a tellement que je ne sais pas par quoi commencer. On peut dire que à l'époque, Vénus, il n'y a aucune sonde évidemment qui était allée jusque là-bas, mais il fait 450 degrés en moyenne. Hein, donc si Orton il vient bien de là-bas, il doit avoir les poils qui grésillent un peu. Ensuite, il y a l'affaire des semelles. Alors, Georges Alminsky dit avoir eu un rendez-vous avec Orton et qu'il aurait fait une copie de ses empreintes. Des auteurs ont fait remarquer, parce qu'il a fait un moulage directement sur place, il s'étonnait qu'Adamski ait du plâtre dans sa voiture. Ben oui, c'est peut-être pas la fois. Ce qu'on trimballe habituellement dans le coffre de la voiture. Oui. Oui. Concernant la prétendue photo de la soucoupe qu'on voit en bas au centre, là. Ça, c'est la photo officielle d'Adamski. Des auteurs ont fait le rapprochement avec des lampes à gaz qui étaient vendues à l'époque. Et notamment celle-ci, c'est par exemple Joël Carpenter qui en 2012 a fait tout un dossier là-dessus. On voit que la partie centrale de la soucoupe ressemble particulièrement à la lampe à gaz. On ne voit peut-être pas forcément bien, mais sur cette lampe à gaz dans la publicité, au centre, il y a une petite encoche. Or, sur la photo d'Adamski, on voit aussi cette petite encoche. Sur ce qu'il y a en dessous de la soucoupe, les trois boules, ça ressemble quand même à des balles de golf, de ping-pong. Pardon. Et ensuite, un détail, je n'ai pas vu d'auteur en parler, mais c'est ce que j'ai remarqué sur cette photo. Bizarrement, elle a un anneau. Hein? Alors déjà, je n'ai jamais vu de photo de soucoupe avec un anneau, et on fera remarquer que c'est bien pratique si on veut y attacher un fil. Alors, il y en a qui se sont spécialisés, notamment le mouvement zététique, dans les études et la démystification de ces gourous. Alors, ils apportent d'autres explications. Ils s'étonnent aussi du fait que la photo d'Adamski soit parfaitement cadrée dans l'objectif de son télescope. Et ils rajoutent aussi que manipuler un télescope, ça nécessite plusieurs opérations très longues. Et ils s'étonnent justement qu'au vu de la longueur de ces opérations, il ait opportunément eu l'occasion de photographier un ovni si visible et en plein centre. On ne va pas faire la liste de toutes les anomalies dans les discours de Georges Adamski, mais tout indique qu'on est affaire à un mystificateur. Dans un autre sujet en France, il y a le canular de Sergi Pontoise. Deux jeunes qui disent que leur ami Fontaine a disparu dans sa voiture alors qu'une boule flottait, une boule lumineuse flottait au-dessus de sa voiture. Et effectivement, on a retrouvé son véhicule, il était ouvert et il n'y avait plus Franck Fontaine. Il est réapparu une semaine plus tard en disant qu'il y avait un événement extraterrestre. Alors au départ, pourtant, les enquêteurs et les ufologues et le GEPAN avaient dit qu'il y avait beaucoup d'anomalies dans son témoignage. Mais ça n'a pas empêché les médias de s'emballer là-dessus et de donner la parole aux ces prétendus contactés qui ont raconté tout et n'importe quoi en annonçant une venue extraterrestre pour le 15 août 1980. Alors, il y a des centaines de personnes qui se sont déplacées, mais comme on pouvait s'y attendre, personne n'est venu. En tout cas, pas d'alien. Et quelques années plus tard, après le délai légal qui leur assurait une impunité, légale pour outrage à magistrat, ils ont avoué qu'il s'agissait d'un canular. Néanmoins, des personnes se sont interrogées parce qu'il est étonnant que trois personnes s'entendent comme ça sur un canular qui est quand même assez élaboré. Et ils ont émis plusieurs hypothèses. Soit c'est un canular simple avec des gens animés par la mythomanie, soit il s'agissait d'un canular à but lucratif, parce que je crois me souvenir qu'ils ont monnayé leurs interventions. Il y a d'autres auteurs qui ont dit que ça pouvait être quelque chose de plus retors, c'est-à-dire que ce serait une opération psychologique menée par des officines pour voir la réaction de la population face à un événement ufologique. Voilà pour faire un petit tour des canulars. Et puis, on peut passer à la page suivante. OK. Hop. Voilà, je la mets en place. Et là, on va parler de deux grands rapports qui ont été remarqués dans l'histoire ufologique.
le premier en 1997 du rapport enfin de Sturrock, astrophysicien britannique, qui, avec un panel de 9 scientifiques, a décidé d'étudier le phénomène OVNI sur la base de ses aspects les plus matériels. Donc, photographie, lumière, éco-radar, interférence et tout le reste. La conclusion de ce rapport a été prudente, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas affirmé que les ovnis avaient une origine exogène, mais sans en éluder la possibilité. Mais ils ont surtout recommandé de poursuivre les études scientifiques avec objectivité, intégrer les analyses sceptiques et s'affranchir des préjugés. Bon, je suis d'accord avec ces trois affirmations. Effectivement, il y a suffisamment d'éléments qui stipulent qu'il y a une réelle énigme derrière ces événements et qu'une étude scientifique nous apportera certainement plus d'informations, surtout si elle travaille avec objectivité, parce qu'en science, on peut être objectif ou non et ça change tout. On peut reparler de ce qu'on disait tout à l'heure en 1986 quand un scientifique est venu nous annoncer dans les médias que le nuage de Tchernobyl s'arrêtait aux frontières. Il manquait très certainement d'objectivité et il a eu de la chance de pouvoir échapper à une condamnation. Quand on a intégré les analyses sceptiques, bien sûr, moi je conseille quand on veut faire le tour d'un cas, c'est d'aller voir tout ce qu'en disent les courants différents, qu'ils soient militaires, exogènes ou sceptiques, et surtout les analyses sceptiques parce que soit elles peuvent invalider le cas ou elles émettent des objections qui peuvent être utiles et qu'il convient de creuser. Dans un troisième temps, elles peuvent ne pas arriver à invalider le cas, et dans ce cas-là, il reste aux deux autres courants à y travailler. Et bien sûr, ça fonctionne des préjugés, parce que s'il y a moins de préjugés en France sur le sujet, on associe toujours le mot OVNI à extraterrestre. On doute du sérieux des chercheurs. Il faudrait plutôt laisser faire le travail tranquillement, parce qu'on rappellera que les OVNI consistent avant tout en des incursions aériennes, c'est des violations de l'espace aérien, que ce soit d'origine humaine ou autre, et représente un éventuel danger. Et donc, il conviendrait de savoir à quoi on a affaire et quelles sont les techniques utilisées, les techniques de propulsion. Des pays l'ont compris, comme la Chine, par exemple, qui s'est affranchie de cette aura concernant le sujet. Elle finance officiellement des associations ufologiques du moment qu'elle reste sérieuse. Et c'est ainsi que la recherche progresse. La Chine a fait beaucoup de progrès en ufologie et ça ne serait pas étonnant qu'elle nous coiffe au poteau. Voilà pour ce qui pouvait être dit sur ce rapport. En 1995, les premières découvertes d'exoplanètes relancent le débat sur la possibilité de vie ailleurs dans l'univers. Il y a d'énormes progrès dans le domaine, ça change tous les mois. Et en fin de compte, plus on avance dans l'étude spatiale, plus on découvre des indices qui pourraient laisser supposer la possibilité de vie ailleurs. Récemment, on a réévalué le nombre de galaxies. Certains disent 2000 milliards, ce qui est énorme. La probabilité d'exoplanètes habitables a été augmentée. J'ai entendu aucun scientifique intervenir dans les médias pour dire que la vie était impossible ailleurs. Et je vois aussi au niveau des médias, de nos jours, une timide mais légère ouverture sur le phénomène OVNI. Mais on pourra en reparler. En 1999, le rapport Cometa, qui a été très remarqué, d'abord par la qualité de ses rédacteurs, puisqu'on avait affaire à des généraux de haut niveau, plusieurs, des ingénieurs, des scientifiques, et d'autres domaines de compétences. Il y a des pilotes, et notamment Jean-Charles Dubois qui a participé à ce rapport. On a une analyse technique de cas français étrangers qui se situe partout dans le monde. On en a cité quelques-uns aujourd'hui, par exemple celui en Iran. Et ce qui est bien, c'est que ces rapports incluent des données militaires, des enregistrements radar, mais aussi une réflexion sur le phénomène pour savoir quel pourrait être, si il est d'origine exogène, quelles seraient les implications, les conséquences qui pourraient en résulter. Des extraits qui reflètent à peu près les conclusions du rapport.
la réalité physique quasi certaine d'objets volants totalement inconnus aux performances de vol et au silence remarquable, apparemment mus par des intelligences. Oui, ben c'est bien ce qu'on a semblé constater depuis tout le début de l'étude historique du phénomène OVNI. Alors, l'hypothèse de visiteurs extraterrestres, émise dès 1947 par certains militaires américains. Alors ça, c'est important parce que quand on a étudié la vague de 1947, il y avait des indices forts qui signalaient qu'il y avait effectivement des performances très décalées par rapport aux records mondiaux. D'abord, il y a eu le rapport de Ted Blücher qui, entre juin et juillet 1947, nous dit qu'il y a déjà 850 cas d'OVNI en un mois aux États-Unis et au Canada, dont 250 observés par plusieurs témoins, groupés, des militaires, parfois des foules. À ça s'ajoute le projet SIGN, qui en 1947-1948 conclut à la nature très probablement extraterrestre de ces manifestations. Et à ça s'ajoute les documents militaires déclassifiés dont je parlais tout à l'heure ou qu'on a abordé la dernière fois, qui dès septembre 1947 signalent que les autorités militaires américaines considéraient le phénomène OVNI comme une réalité. Et il en donne les caractéristiques précises. Et accessoirement, il signale qu'en 1948, il y avait de nombreuses bases nucléaires qui étaient survolées, parfois harcelées plusieurs dizaines de fois par ces engins qui se déplaçaient au-delà de Mach 14, à une époque où le record était de Mach 1, le record mondial. Mm-hmm. Voilà pourquoi, en vue de ces éléments, en fin de compte, certains pensent que dès 1947, dès la première vague d'OVNI, bah, c'était plié, quoi. Il y avait deux hypothèses majeures, c'était soit les Russes. Mais on se demande comment les Russes auraient pu survoler tout le territoire américain en toute impunité. Et on se demande avec quelle technologie. Et d'autre part, au vu de mes recherches, je n'ai pas vu d'auteurs qui ont développé cette théorie-là, qui ont dit que c'était les Russes qui étaient l'origine de la grande vague de 1947 à 1954. Voilà. Et voilà pourquoi le rapport Cometa dit que l'hypothèse extraterrestre est de loin la meilleure hypothèse scientifique et n'est certes pas prouvée de façon catégorique. Oui, parce que pour répondre à une question qui a été posée, est-ce qu'il existe des preuves de visite extraterrestre? Tout dépend de ce qu'on entend par preuve. Si on entend comme preuve irréfutable, une preuve irréfutable, c'est qu'il ne puisse être contesté par personne. C'est-à-dire que tout le monde serait d'accord pour dire ça, c'est vraiment extraterrestre. Des photos et des vidéos, ça suffirait pas, je pense. Si par exemple une soucoupe volante atterrit place de la Concorde en plein après-midi, elle y reste une heure et elle décolle, on aura de multiples vidéos, mais après il y aura toujours des gens pour dire bah oui, c'est un prototype militaire secret ou c'est un hologramme. Je pense que la véritable preuve consisterait en la récupération d'un de ces objets et avec ses occupants, si possible. La fin de cette phrase, d'ailleurs, c'est « Et si elle est exacte, elle est grosse de conséquences. » Et c'est peut-être la phrase la plus importante du rapport Cometa, d'ailleurs. Parce que, en fin de compte, ils n'ont pas affirmé, affirmé avec un certain dogmatisme, mais surtout, ils ont dit quelles seraient les conséquences sur notre société. Et effectivement, les conséquences pourraient être très lourdes et surtout imprévisibles. Elle changerait la face du monde, elle changerait, s'il y avait un contact direct, elle changerait notre culture, peut-être l'économie, les religions et autres. On en avait un peu parlé la dernière fois, notamment de toutes ces questions d'impact et d'effondrement culturel possible. Mmh. Alors, comme nul n'est prophète en son pays, leur rapport Cometa n'a pas eu un excellent accueil en France. Enfin, il n'a pas été très remarqué. Alors, il y a des journaux, par exemple, ont titré « OVNI, un rapport délirant », ça va être l'Express, « OVNI, soit qui mal y pense, libération, frappe chirurgicale contre les Martiens, qu'elle a enchaîné ». Le point commun de ces trois articles, pour les avoir lus et décortiqués, c'est qu'ils déclarent qu'ils sont opposés à l'hypothèse extraterrestre, c'est surtout ça qui leur hérisse le poil, a priori, mais d'un autre côté, ils ne contredisent pas les faits, c'est-à-dire que j'étais étonné. On attendait plutôt une critique, non pas de la conclusion du rapport Cometa, mais plutôt des éléments, nous indiquer pourquoi tous ces cas historiques, selon ces journaux ou les rédacteurs, n'auraient pas de consistance.
Et en fin de compte, la critique s'est limitée à ça. Et c'est plutôt ça qu'aurait été intéressant de faire. Par contre, il y a eu un bon accueil à l'étranger, notamment par Leslie Kean ou d'autres ufologues qui ont souligné l'excellent apport de ce rapport. Ah oui. Il nous l'envie d'ailleurs, d'après Leslie Kean. Il nous l'envie. ce rapport, parce qu'on n'est jamais allé aussi loin officiellement dans les autres pays, avec ce rapport Cometa, avec les généraux. Enfin, on est quand même allé très loin en France. Bon, beaucoup ne l'ont pas lu, mais on n'en a pas tiré les conclusions qu'il aurait fallu, mais en tout cas, on peut en être fiers. Oui. Si vous le voulez, il est disponible sur le site du GEPAD, vous pouvez le trouver en version numérique, vous pouvez le trouver en version papier en librairie. Version de poche, elle n'est pas chère. Je l'ai relu récemment. Il y a peut-être, j'ai trouvé un cas donc, qui a été élucidé depuis, a priori c'est celui de l'île Trinidad. Il y aurait peut-être évidemment, il méritait peut-être d'être réédité et réactualisé. Mais en tout cas, ça constitue une très bonne approche dans le phénomène OVNI pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, ouais, et ceux qui voudraient le traiter. C'est la base, voilà, le rapport Cometa, les ovnis et la défense. Donc, c'est déjà un livre neuf qui doit s'acheter dans les 5 euros, qui doit coûter dans les 5 euros. Après, vous pouvez le trouver sur Le Bon Coin, par exemple, beaucoup moins cher, ou il y a même des PDF sur Internet. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment la base, c'est une bonne base. Et voilà, vous commencez déjà par ça. Si jamais vous posez des questions. En même temps, si vous nous avez suivis jusqu'à cette heure-ci, voilà, je crois qu'on a ouvert la porte à d'autres questions plutôt que les bases du rapport Cometa. Et je te remercie beaucoup pour ça, Franck. On va voir si... Alors, il y avait une suite ou pas La dernière page, oui. Allez, hop, je passe, je retourne sur le partage d'écran. Hop. Voilà, et la dernière page. Alors, quand on étudie le phénomène OVNI, on peut, en général, il y a plusieurs questions qui pourraient se poser. En partant de l'hypothèse qu'il s'agisse d'une autre intelligence ou de plusieurs intelligences qui nous visitent, comment et pourquoi ? Enfin, le code, jusqu'à maintenant, personne n'a répondu à la question qui. Il y a différentes hypothèses. L'hypothèse matérielle du premier degré, donc des créatures, mais d'où est-ce qu'elles viendraient ? Concernant leur localisation dans l'espace, on n'a strictement aucune idée si c'est bien des créatures et des engins matériels. D'autres émettent l'hypothèse d'intelligence interdimensionnelle, de concepts métaphysiques, d'intelligence artificielle, de matrices, enfin, et toute une sorte d'alternatives. En fait, quand on s'aperçoit qu'on n'a pas de réponse à ces questions, et on peut se demander, par exemple, quelles seraient les méthodes qui pourraient nous indiquer, est-ce que sur leur comportement aérien, et ça nous donne des indices, un peu comme les méthodes utilisées par la police quand on essaie d'identifier un suspect dont on connaît quasiment rien, par exemple dans les cas de serial killing ou de cambriolage en série, ils utilisent la technique du profilage qui consiste à essayer de voir le mode opératoire et ce qui peut en résulter. Dans le phénomène OVNI, si on considère, d'ailleurs on part sur cette hypothèse, et on regarde les modes opératoires qui reviennent souvent, donc mode nocturne, il y a plusieurs études qui le signalent, surtout entre 19h et 1h du matin, pour faire une fourchette large, sauf pendant la vague de 47, où là il y a beaucoup d'apparitions dans la journée. Quand il est apparu pour la première fois dans l'ère moderne, le phénomène n'a pas pris de gants, quoi. Il ne cherchait pas à se cacher. Au fur et à mesure de l'histoire, la proportion de cas diurnes va baisser. On entend aussi que c'est hors agglomération et de courte durée. On n'a jamais d'OVNI qui, en plein après-midi, vont survoler une capitale, sauf quelques exceptions en Amérique latine, avec les flottilles de drones dont on avait parlé à Lima en 2007 ou à Mexico en 2004. Les présences de ponctuelles de projecteurs dont on a parlé, ça ne date pas d'hier, parce que dans les vagues de dirigeables mystérieux en 1996 aux États-Unis, c'était déjà le cas. Des formes et des tailles très variées, on a déjà parlé de cette anomalie. Et ce qui est curieux, c'est que même pendant une vague unique,
On a tout un tas de formes différentes qui sont rapportées. 1947, on a déjà parlé. La vague de Colares en 1977, d'après le colonel Hollanda qui avait dirigé l'opération Plateau pour enquêter sur ces manifestations, sur 300 cas, il y a 8 formes différentes. On note des changements de forme, de couleur, des événements qui sont impossibles, des duplications, des fusions, des disparitions, apparitions, mimétismes, ce qui peuvent nous faire penser des leurres holographiques sophistiquées, peut-être de type holographique ou beaucoup plus complexes, comme des changements de dimension. Le mimétisme est aussi une caractéristique assez notable. Des auteurs l'ont signalé multiples reprises, des imitations d'aéronefs, de phénomènes naturels ou d'accompagnement de rentrées atmosphériques, mais parfois avec des erreurs grossières. Alors, par exemple, on voit il a été remporté des cas d'avions sur lesquels il manquait une aile, des hélicoptères dont les pattes ne tournaient pas. ça amène à se poser des questions. Est-ce que ces erreurs sont une imperfection de l'appareil qui essaye de les produire, ou alors est-ce que c'est voulu? L'un ou l'autre ne sont pas exclus, mais la deuxième hypothèse, au vu du mode opératoire, pourrait représenter un intérêt, dont on pourra parler plus tard. On a des survols de zones stratégiques. On n'a pas fait le lien avec un petit peu aujourd'hui le lien avec le nucléaire, mais ça a commencé dès 1948 aux États-Unis. Et tout au cours de l'histoire, on a des interactions. Zones de guerre pendant la guerre de Corée, par exemple. Des manœuvres militaires, des gros événements naturels, il y a des ovnis qui sont filmés près des volcans et au niveau du spatial. Les survols de sites nucléaires sont tellement répétitifs à certaines occasions qu'ils laissent penser à un objectif beaucoup plus poussé qu'une simple reconnaissance. Par exemple, des documents stipulent que en 1948-1949, les bases d'Oakridge, je vais le dire correctement, Oakridge et Clarksville ont été survolées 37 fois. Ça fait un peu beaucoup. Si c'est juste pour prendre une photo, une ou deux fois aurait suffi. En 2010, la conférence du National Press Club à Washington, on y trouve une centaine de militaires qui ont travaillé sur des bases nucléaires et qui font état d'observations d'OVNI. Donc, qu'est-ce que voudrait signifier ça? On a des interactions aussi plus poussées, mais quand même rares, comme des désactivations directes du missile, par exemple sur Malmstrom en 1967. Donc, il y a un message très probable sur le nucléaire. Peut-être parce que c'est les intrigues, peut-être parce que ça représente un danger pour eux, pour nous, très certainement plus pour nous que pour eux. Il est vrai que des scientifiques ont dit que s'il y a plus de 100 têtes nucléaires qui sautent en même temps sur la planète, ça provoquait un hiver nucléaire. C'est-à-dire que le ciel se couvrirait de poussière. Donc, ça empêcherait les rayons du soleil de parvenir au sol. Donc, les végétaux dépériraient. Les animaux, par conséquence, pourraient plus s'alimenter. Par extension, les humains, ça pourrait durer des décennies. Et donc, l'humanité mourrait tôt ou tard de famine si elle a réussi à survivre aux explosions et aux radiations. Et donc, je disais 100 têtes nucléaires, sachant qu'actuellement, le stock mondial est d'environ un peu moins de 15 000 têtes. Donc, c'est-à-dire qu'on a les moyens de détruire 150 fois la Terre. Voilà, ça, c'était le petit intermède nucléaire. Dans le mode opératoire, on trouve des fuites et des manœuvres évasives avec des accélérations fulgurantes. Donc, en gros, là, on est à un mode où l'OVNI essaie de fuir. Mais ce qui est très curieux, c'est que des fois, il garde un écart constant, comme pour inciter le pilote à le poursuivre ou pour jouer avec lui. Et quelquefois, il se repositionne derrière le chasseur. Et là, on inverse le rôle. C'est la souris qui devient le chat. Comme ça s'est constaté dans le cas de l'aéroport d'Orly en 1956, où un OVNI détecté au radar à plus de 2000 km/h semblait jouer avec un DC-3. Il se positionnait derrière, etc. La base de la Canette aussi, où il y a une course-poursuite avec un OVNI en 56. Et dans la nuit des OVNI au Brésil, pour donner un autre exemple de ce genre de comportement. Alors, on peut s'étonner de ce comportement qui, à la fois, consiste à fuir, mais à contrario, on poursuit des avions. Alors, dans certains cas, des OVNI, comme les Foo Fighters ou l'incident Kilian Dee dont je n'ai pas parlé,
des objets volants identifiés où on poursuivit ou on intimidait des avions en s'approchant d'eux à très grande vitesse. Dans le cas de Manises, en Espagne, un aéronef civil a dû atterrir d'urgence dans un aéroport parce qu'il y avait des lumières rouges qu'il poursuivait. Et encore plus poussé, on a des cas de quasi-collision. Des pilotes qui semblent éviter au dernier moment, enfin des ovnis plutôt qui semblent foncer sur un avion et l'éviter au dernier moment. Ça fait penser à des simulacres parce qu'on imagine mal, par exemple, deux pilotes qui s'amuseraient à ce jeu-là, la moindre erreur, c'est la mort assurée des deux, quoi. Donc, les ovnis doivent parfaitement contrôler ce genre de situation, peut-être, si on fait des hypothèses, avec des intelligences artificielles ou d'autres moyens. Oui. Donc, voilà un peu en synthèse en bas tout ce qu'on peut noter et on trouve quelques antagonismes. Parce que si d'un certain côté on privilégie la fertilité, l'évasivité, la fugacité, il y a aussi une volonté d'être observé. Parce que allumer des projecteurs en pleine nuit ou se présenter devant des témoins groupés, ce n'est pas la meilleure solution pour être discret. C'est vrai. Le phénomène OVNI n'a pas la volonté visiblement d'être approché ou identifié, puisque dès qu'il est approché dans les airs, il semble engager un phénomène de fuite, mais dans le sol, c'est pareil. Dans certaines R3, des témoins qui s'approchent de trop près sont paralysés. On a des vagues acausales, c'est-à-dire qu'il n'y a rien acausal, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas l'explication, on n'arrive pas à comprendre, par exemple, pourquoi en juin 1947, on a eu une subite apparition d'OVNI, ni pour la vague Bell, pourquoi est-ce qu'en novembre 89, tout d'un coup, on a eu ces événements-là. Et non prévisible. Un peu des ufologues disaient, c'est un peu comme un logiciel qui se réinitialise à chaque fois. Il y en a qui disaient, quand on constate une loi sur une vague, elle est immédiatement démentie lors de la vague suivante. On note néanmoins un comportement majoritairement non hostile. Il y a des blessures parfois, mais ça ne semble pas être la volonté directe de l'intelligence qui est derrière, ou s'il y en a plusieurs. On note un comportement qui est joueur, intimidant, parfois manipulatoire, une très forte variabilité des chemins d'apparition, comportements paradoxaux et élusifs, c'est-à-dire qu'ils ne se reproduisent jamais. Et ça pose un problème pour tous les ufologues qui sont spécialisés dans ce genre d'études. On n'arrive pas à comprendre un phénomène qui change de mode, qui change constamment de mode opératoire. Alors, ça pourrait être, si c'est une seule intelligence, on pourrait être face à une forme d'intelligence qui soit complètement décalée de nos schémas de raisonnement, qui soit même peut-être un peu folle, au vu de nos standards. Hein. On pourrait penser à plusieurs intelligences qui pourraient être de connivence ou en compétition, et c'est pour ça qu'on aurait de telles différences. On pourrait penser à une intelligence ou plusieurs qui pratiquent volontairement ces antagonismes pour privilégier, dans l'intérêt ou leur, un mode qui le rendrait complètement incompréhensible. On pourrait même supposer, en allant plus loin, que ces intelligences surveilleraient les interprétations qu'on en fait pour immédiatement les contredire dans un autre schéma. Dans tous les cas, si on part sur cette idée-là, on s'étonnera du mal ou de l'effort mis en place par l'intelligence derrière le phénomène OVNI pour pratiquer tous ces comportements antagonistes. C'est clair. Voilà un peu les grandes lignes de ce qui dit sur l'interprétation, et ça, c'est juste le comportement aérien. Après, si on veut aller plus loin, il faudrait analyser ça en le comparant avec celui des RR3 à RR6 et bien d'autres sujets qu'on n'a pas encore traités sur le phénomène OVNI. On va faire une spéciale RR. Ce serait pas mal. Je vais juste partager une petite image, voilà, histoire de conclure différemment. Voilà, celle-là qui me fait bien rigoler. Donc voilà. Des petites images que j'avais partagées aujourd'hui sur Facebook, on a l'impression des fois d'être un petit peu comme des jouets, on teste comme ce qu'on pourrait faire avec les lasers, avec les chats, et donc voilà, et le parallèle est rigolo. Oui. C'est le nom d'une cette théorie, elle porte un nom, c'est la théorie du pointeur laser. Et ben voilà, c'est une théorie qui est appliquée au sujet OVNI, parce que c'est exactement ça.
quand on utilise un pointeur laser, le chat n'imagine pas, il regarde, il comprend pas que c'est l'humain qui fait ça. Il pense même pas à regarder la main. Il regarde que le point rouge et joue avec. Exactement. Et c'est peut-être exactement ce qui se produit avec les intelligences opérant la phénoménologie. C'est clair. Hop. Allez, on va prendre quelques petits commentaires. Donc, un petit bisou aux Canadiens, parce que j'ai vu un moment des connexions supplémentaires. Il y en a qui arrivent, qui finissent le boulot au Canada et qui se connectent juste maintenant. Donc, voilà, nous sommes sur la fin. Et on vous fait un petit bisou au passage. On va prendre deux, trois petites questions pour finir, parce que la vidéo est déjà super longue. Donc, je crois que là, on n'est plus dans le timing du tout. Hein, là, c'est sûr. Alors, donc... Julien qui dit mort de rire les chats par rapport à l'image, mais c'est voilà, c'est nous aussi. Ah ben voilà, Scully justement qui arrive pour la fin. Scully, 3 heures de vidéo, plus de 3 heures de vidéo à regarder en replay. Un petit bisou à Jean-Pierre qui était là tout à l'heure et qui nous a dit qu'il se levait à 5 heures du matin, donc il regardera la petite dernière demi-heure qu'il a loupée en replay. Donc on te fait un petit bisou en replay. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre quelques petits commentaires. Alors le dernier que j'ai, le plus récent, c'est Seb Reiki qui nous dit « Je ne pense pas qu'ils aient peur de nous. Je pense qu'ils ont autant d'attrait pour nous qu'on en a pour eux, pour une fourmilière, pardon, qu'on en a pour une fourmilière. Cependant, l'âge du nucléaire, je pense, change notre niveau de dangerosité pour la planète, pour l'espace et les mondes invisibles. Du coup, on est à surveiller comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Niveau d'évolution égal à zéro, quoi. » Donc, c'est vrai qu'on pourrait pointer ça. On a vu avec toi dans les premières émissions qu'il y avait déjà eu des phénomènes d'ovnis depuis la préhistoire, en fait. On a vu ça, c'est assez... Ça dure depuis très, très, très longtemps. Alors, effectivement, tu as pointé le fait qu'il y avait quand même des vagues à certains moments. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Mais il y en aurait toujours eu. Oui, plus on remonte dans l'histoire, moins c'est fiable et documenté. Mais c'est vrai que c'est à partir surtout du 19e siècle où il y a des éléments intrigants qui commencent à poindre, notamment dans les travaux de Charles Fort, qui signale des engins volants non identifiés puisés dans des magazines, des revues scientifiques. Très curieuse parce qu'elles sont en disque, en triangle, et en forme de torpille à une époque où il n'y avait pas d'aviation. Elles sont quasiment similaires à celles de la vague de 1947, plus d'une cinquantaine d'années plus tôt. On a la vague de dirigeants mystérieux 1896, d'autres épisodes qui vont suivre, vague mondiale de dirigeables, et ces vagues, effectivement, on ne peut pas savoir. C'est un pays, c'est un groupe de pays, c'est une zone, c'est un pays, un continent qui est visité de haut jusqu'en bas. Il y a peut-être des lignes. Alors, des auteurs ont essayé de voir s'ils pouvaient le quantifier, s'il y avait un coefficient entre ces vagues, mais c'est très compliqué. Pour l'instant, je ne sais pas, je pense qu'il n'en a rien ressorti. Il y a des éléments techniques qui pourraient l'expliquer. J'ai des idées, mais il faudrait que je creuse, que je travaille dessus. Je viendrai vous les exposer, notamment pour la vague de 47. Merci beaucoup. Franck Luc qui nous dit « Ces apparitions ne pourraient-elles pas venir de dimensions parallèles ?» Oui, parce que si l'hypothèse extraterrestre du premier degré était assez en vogue dans les années 50 à 70, il y a des auteurs, notamment comme Jacques Vallée, qui ont commencé à émettre des doutes sur cette hypothèse. Ils s'étonnent du fait que si c'était vraiment une race qui venait faire des prélèvements, qui viendrait nous observer, au bout d'un moment, il y aurait eu des contacts, il y aurait une phase préliminaire. Enfin bon, il y a plein d'anomalies sur la, sans compter les changements de forme d'appareil, leur diversité, la diversité des créatures, tout ça fait un peu douter. Et donc, certains courants pensent que c'est une interdimensionnalité de créatures ou de vaisseaux qui utilisent ces moyens pour venir jusqu'à nous. D'accord. Oui. Et ça répondrait mieux peut-être à certaines étranges théories. Très bien. Il y a Freddy qui nous dit
Merci à Franck que j'ai découvert ce soir. Freddy Bourgeois, je n'avais pas lu le nom. Coucou. Et qui nous dit « Merci à Franck que j'ai découvert ce soir. Étant de nature très sceptique sur la réelle origine de nombreuses observations UFO, j'avoue qu'il a su rester neutre tout au long de l'émission en nous apportant plusieurs exemples troublants mais sans pour autant nous dire qu'il s'agit de preuves absolues de l'existence et la visite des extraterrestres chez nous. La question reste donc sans réponse, mais avec quelques pistes à étudier en profondeur pour un tel sujet, que l'on soit sceptique ou non. » Merci beaucoup, Freddy. Ensuite, je vais prendre un commentaire de... je vais chercher un point d'interrogation. Ah, Nadine, quand même, qui a une petite remarque que j'avais lue tout à l'heure, qui nous disait « Sauf le cas en Allemagne et en Belgique, où en pleine journée, deux cas dans des villes différentes ont vu des vagues d'ovnis en pleine journée. Les habitants ont vu comme une bataille spatiale en plein Moyen-Âge. » Et je me souviens que tu en avais parlé lors de l'émission, justement, sur la période du Moyen-Âge. La bataille de Nuremberg, 1561. Donc, pour revenir sur ces cas anciens, vous pouvez voir l'ancienne vidéo « Phénomène aérien inexpliqué, cas antique et moderne ». Et là, il doit y avoir à peu près 2 heures d'énigmes anciennes de la préhistoire à 1954. Exactement. Donc, bien vu, voilà, tu connais tout. Nadine qui disait d'ailleurs, cela me fait penser que les ovnis nous testent, tu sais, par rapport aux petits jeux qu'il y avait autour des engins, pour connaître nos réflexes et notre façon d'agir. Oui, ça pourrait être interprété comme un test, peut-être un test technique, mais bon, c'est tout au courant depuis longtemps, pour savoir, pour connaître les capacités des appareils, pour voir comment on réagit. Peut-être aussi pour s'amuser, jouer avec les avions, les suivre, intimider les passagers. En général, ça ne dure quand même pas longtemps. Hein, pas longtemps. Quand c'est des poursuites d'avions comme ça, quand ils sont pris en chasse, c'est moins d'une heure. Dans le cas de Kinyan 10, ça va être 40 minutes. Oui, c'est à peu près dans ces eaux-là. Dans le cas du vol Anchorage-Alaska, il me semblait que c'était une trentaine de minutes de mémoire. Donc, ils embêtent les avions un petit moment, puis après, ils s'en vont. Tiens, je vais faire juste un petit clin d'œil à Freddy, parce que je sais qu'il est très, très, très cartésien et tout ça. Et donc, on a eu un échange téléphonique. De temps en temps, je vous appelle. Hein. Moi, je vois des pseudos, on s'appelle, on discute. Voilà. Donc, c'était le cas de Freddy. On a eu un échange. Freddy, regarde, je vais te montrer où j'en suis. Donc là, sur le site, donc, dans la boutique. Voilà, avec un ami, on fait des petits logos. Je vais essayer d'en trouver un. Voilà, celui-ci. Il sera assez clair. Hop, voilà, je vous montre le logo. Donc, on se souvient tous de l'affiche dans X-Files avec « I want to believe ». Moi, j'ai choisi un logo, c'est marqué « I don't believe ». Je ne crois pas, je sais. Voilà, j'en suis là. Donc, effectivement, Freddy, pour moi, c'est bon. J'ai assez de dossiers pour me dire que c'est bon à 99,99%. Donc, voilà, petit clin d'œil à Freddy. Hop. Mais on discute bien, hein, tu vois, Freddy est très... Voilà, très cartésien, très, il faut des preuves et ainsi de suite. Mais c'est vrai que le mot « croire » pose un problème. Quand on dit « I want to believe ». C'est ça. Moi, je ne veux pas croire, je veux savoir et j'ai l'impression de savoir, là. Ça sous-entend, quand on dit « croire », qu'on fait passer la croyance avant le discernement. Alors que pour les cas d'OVNI, il est préférable de faire des constats, des mesures et des analyses. Et très souvent, c'est avec le bon sens qu'on arrive à valider ou à valider l'existence d'un cas. Quoi. C'est ça. Mais bon, c'est vrai que cette idée de logo, on en discutait avec mon ami Benjamin. Quand on a fait ça, je lui ai dit, écoute, moi, je ne veux pas croire, je veux savoir. Et là, j'ai l'impression que vraiment, je sais qu'il y a énormément de choses, il y a tellement de choses. Je lui ai dit, puis il faut qu'on avance dans le dossier. Donc, I want to believe. Maintenant, ça suffit. Maintenant, c'est I don't believe, I know. Et hop, on part de là et on va chercher pourquoi, comment. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Et puis, oui, alors est-ce que peut-être, potentiellement, il pourrait se passer quelque chose voilà mes petits commentaires perso. Cyril, nocturne ce soir? Non, nous allons y aller. La nocturne se prépare. Je pense que Franck, déjà, il a donné énormément ce soir. Je ne vais pas te le garder plus longtemps. Mais on te reverra avec plaisir. Jean-Pierre qui nous dit, s'il y a le temps, pourrait-il répondre à cette question? Qu'est-ce qui l'a amené à faire toutes ces études, recherches? A-t-il vécu une expérience qui a été décisive à ce niveau?
Mon doigt touche carrément le toit cette fois-ci, je ne tiendrai pas longtemps. Donc, c'est Jean-Pierre qui était allé se coucher parce qu'il se lève à 5 heures du matin. Donc, il a cette petite dernière question. On pourrait peut-être l'utiliser comme conclusion. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je sais que tu vas aller jeter un coup d'œil. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire toutes ces études, toutes ces recherches? Est-ce que toi-même, personnellement, il t'est arrivé de voir quelque chose qui t'aurait troublé au point de vouloir en savoir autant et de partager toutes ces infos? Oui, bah, je vais vous expliquer mes motivations. En fait, God, pour répondre directement à ma question, je n'ai jamais vu d'ovni, au sens, enfin, d'ovni très curieux. J'ai vu des phénomènes aériens curieux, mais très rapidement, j'ai vu que c'était des phénomènes naturels, surtout après les avoir pris en photo. Ce qui m'a intrigué, depuis assez longtemps dans l'adolescence, je m'y intéressais. Et tout de suite, en voyant les gros cas comme Phoenix, le rapport Cometa, il y a une quinzaine d'années, je me suis dit là, c'est pas possible, il y a quelque chose. Et en fin de compte, ma devise, c'est pas I want to believe, c'est I want to know. J'ai envie de savoir. Et c'est pour ça que je fais des recherches assez critiques, parce que pour savoir, il faut des sources qui soient fiables. Donc, effectivement, quand je suis pas sûr des cas ou quand ça remonte à trop loin ou que c'est contestable, j'en tiens pas compte. Mais j'essaie de mettre l'accent sur les cas qui sont les mieux documentés. Déjà m'assurer de ça, et puis essayer de voir s'il y a un espèce de mode opératoire derrière ce que j'ai commencé à parler ce soir, pour voir quelles sont les intentions. Et c'est passionnant parce qu'on semble être en face d'une intelligence qui joue avec l'humanité, qui est ni altruiste, philanthropique, angélique, mais ni agressive non plus, qui semble vouloir passer un message, et avec une intelligence particulièrement étonnante, puisqu'elle s'adapte à tout, mais elle s'adapte à nos, elle change de mode opératoire. Donc, c'est un véritable défi, je le considère comme ça. C'est une énigme qui prend un pack piquant et dans lequel on a envie de se plonger. Quoi. Voilà mes motivations. Exactement, que je partage aussi. Merci beaucoup. Merci Franck pour cette soirée incroyable. Et merci pour le marathon que tu as fait. Parce que quand même, toutes ces explications, il fallait tenir ces 3 heures et demie de conférence. Chapeau, bravo pour l'exercice. Bon, on est allé jusqu'à la fin aujourd'hui. On est allé jusqu'à la fin, mais parce que... On a réussi à le faire. Parce que je sais qu'il y a un autre sujet derrière sur lequel on va se poser. Donc là, au moins, on a toute la vidéo. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Enfin, si vous en êtes là, c'est que vous l'avez déjà regardée potentiellement plusieurs fois. En tout cas, merci beaucoup à toi. J'ai hâte de te retrouver sur Nuria TV. Et d'ailleurs, dès qu'on va arrêter le direct, on va se caler une petite date avant d'aller se coucher. Et comme ça, on sera bien. Merci à vous tous pour tous vos commentaires, pour toutes vos questions, pour tous vos compléments d'information, pour tous vos témoignages. N'hésitez pas pour les prochaines fois à penser à aller directement sur nuria.tv pour poser vos questions et commentaires, parce que c'est ce que j'ai sous les yeux pendant les directs. Et donc, c'est plus simple pour moi d'aller directement sur le site. Pour vous aussi, vous avez comme ça la vidéo en haut. Donc voilà, j'ai vu quelques personnes qui étaient passées par le Facebook, mais c'est vraiment sur nuria.tv pour les conférences en accès libre. Donc voilà, merci énormément. Tiens, un petit message de Freddy. Alors, Nora, cartésien ne veut pas dire que je ne m'y intéresse pas. Bien au contraire, on parle quand tu veux. J'ai même quelques anecdotes. Avec plaisir. Mais oui, tu t'y intéresses. Je sais, tu t'intéresses même à beaucoup, beaucoup de choses. Mais voilà, c'est, il avance avec des choses très sûres, Freddy. Voilà. C'est, alors que moi, j'ai plus tendance à laisser faire aussi l'intuition et tout ça. Plusieurs, des milliers de témoignages me suffisent, même s'il n'y a pas forcément un fait sur un point. Quand il y a des milliers de témoignages et l'émotionnel et tout ça, je suis aussi beaucoup impactée par ça. Mais ouais, c'est un plaisir de discuter avec Freddy, du coup. On se titille. et voilà. Puis c'est bien de mélanger aussi les différentes façons de penser. Donc, merci pour tous ces échanges que vous me permettez d'avoir hors antenne quand je peux discuter un peu avec tout le monde. C'est juste du plaisir. Donc, merci à vous tous. Merci Franck. Merci à vous tous. Je vous retrouve demain pour le cours par vidéo avec Cyriliel. N'hésitez pas à le retrouver sur www.nuria.tv. Et sinon, ça sera jeudi en accès libre avec Umberto Molinaro sur le sujet des crop circles. Et là, ça fait, je crois qu'on a dû faire à peu près 18 ou 20 conférences avec Umberto depuis le début, depuis 2 ans. C'est un sujet que je lui ai toujours demandé de mettre un petit peu de côté ou d'y aller vraiment tout doucement. Mais on a fait le tour des crop circles de façon scientifique, un petit peu plus poussée. Et là, on va se lâcher. Là, on est au mois de décembre, fin d'année. Je lui ai dit, écoute, on se fait une émission
Tu nous dis tout, toutes les expériences incroyables, extraordinaires, tous les trucs inexplicables et tout ça. On prend le temps jeudi et on va voyager avec Umberto Molinaro qui va nous raconter toutes les anecdotes qu'il a pu vivre en faisant ses enquêtes sur les crop circles. Donc vraiment, à partir de là, vous prenez vraiment du recul par rapport au sujet. Vous laissez faire les choses. Hein. S'il y a des choses qui sont trop énormes, vous les mettez de côté complètement. Hein. On partage les infos sur les crop circles avec Umberto. Mais gardez toujours les pieds sur terre, comme ça vous pouvez vous lâcher et avoir la tête dans les étoiles. Et c'est vraiment l'essentiel. Je vous remercie à tous. Passez une bonne nuit ou une bonne soirée. Bon appétit au Canada. Et je vous embrasse très fort et à très vite sur Nuria TV. Ciao tout le monde.